Excusez-moi, j'étais dans mon lit. Il y a une grosse liste d'attente là qui attend. Il y a du monde hein, qui tape. Hein. Vous voulez pas que t'es toléré, on peut les mecs comme toi, on les remplace facilement ici. Alors, du monde qui on tape. Y va. D'accord. Le toléré ici. Le d'accord, les mecs confondent. Ça va, le prend pas comme ça, étoile. C'est pas comme ça, étoile. C'est pas. Il veut pas être méchant, il dit juste des faits quoi. Eh, longue journée, tu t'es levé à quelle heure pour setup Samuel ce matin? 6h du matin. Ah, c'est ma bien. C'est pas mal. T'as dormi là? Ah, 6h. Non, en vrai, genre ça va, je suis régénéré. Okay. Ah ouais. Je c'est toi avec un la peu de méditation astrale et c'est parti. Hein. Est-ce que tu fais du power yoga toi aussi ou pas? Le petit power yoga. Non, j'ai pris de la tisane. Tout à fait. Oh. Tu sympa. Tisane. Tu tisane. J'ai tisé de ouf. Un peu plus. Si on n'est pas imposteur, on meurt vite comme ça en peu game. Rayou. Verveine. Allez, je lance. Allez, je lance. Allez, c'est parti. Bonne chance à tous. Bonne chance. Amusez-vous hein, surtout. Pour moi, s'il te plaît. C'est rare quand même. Et surtout, il y a un maximum de fun, bien sûr. Je crois vraiment que Gigi me fait trop rire. Legit, hein. La Gigi me bute. Oh là, Gigi qui est déjà là. Gigi qui va me tuer, putain. Bah, Gigi me bute, en fait, je le disais. C'est rare les gens qui vont. Oh. Est-ce que je checkerai pas juste Orage, tu vois, un petit cadavre? Je crois qu'il y a Little Big Whale ou quelque chose comme ça qui... Et non, sympa. En fait, c'était assez sympa. Ponce. Quelle belle âme, ce Ponce. Ah, on n'en en parle pas assez. Hein. Tout le temps. Tous les mardis. Ok, Rayou Ultia. Ok. Lilwell, Gomar qui doute. Xari, Ponce Trivia, ok, il y a du monde, hein. Honnêtement, c'est un très très beau lobby, j'ouvre la porte pour les autres, hop, je passe de l'autre côté, c'est une fin de frappe, je suis déjà présent sur les lights, je vois rouge avec moi, je ne sais pas qui est rouge, mais en tout cas je le vois, rouge était là, bon pompon qui veut check cam que personne n'est kill. Ok, ça me semble plutôt quelque chose de... Non, on peut pas cliquer comme ça. Ça me semble quelque chose de plutôt agréable. Oh, mais putain, j'avais pas vu Trivia. Ok, Ultia. Est-ce qu'on serait pas un petit coup de Vitals? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des mecs comme Xav, comme Jean. Ah, t'as vu? Pas de Xav, pas de Jean. Oh... Et bébé. Eh bah, bienvenue oh là là. Rayou, bienvenue Rayou. Ouais, c'est malaste en plus, donc c'est genre. Bah écoutez, j'ai vu. Ah non, PA. Bah c'est sûrement Xari du coup. Non, mais... je me disais que ça faisait longtemps que j'avais pas vu genre Jean, Xari et tout. Et J'étais à O2 là pour le. Moi j'ai fait, okay, j'ai fait un truc long avec des bidons, du coup c'était long. Non, bah avec Gigi, on est rentré justement office et compagnie et on a vu vraiment le cadavre dès que t'arrives après le SAS quoi. Après, moi, dans le couloir. J'étais weapon, j'ai fait le. Vous avez le vu double cadre J'ai croisé que Ponce. Moi j'étais O2 avant. Je sais pas sûrement qui faisait les astéroïdes ou je sais pas. Vous avez vu double cadre ou pas? C'était un double kill ou pas? C'est un double kill? Non, il y avait qu'un kill là dans ce qu'on a vu. Il y avait que Rayou. C'était où, pardon? J'ai pas suivi. C'était office, là où on fait la réunion actuellement, c'est juste en bas. C'est dans le couloir là. Ok, effectivement. C'est là où je l'ai laissé pour la dernière fois en effet. Pour le coup, Gigi, moi je venais de. Non, c'est ça qui est dommage. Qu'est-ce qu'il y a, Ponce? En gros, parce qu'on s'est croisés, nous. Ouais, nous, bah, c'est ce que j'ai dit, Weapon. Sûrement moi, je venais, pour le coup, je venais de la gauche, où j'étais okay. Avec O2, à O2, avec absolument tout le monde, pour le coup. Ultia, il y avait PA, il y avait Jean Castex. Ah, Pompon, il s'est pas mal baladé à gauche, il a fait ses quêtes, il a fait ses trucs. Ouais, moi, j'étais à O2 aussi avec Jean Castex, mais genre, j'ai eu juste eu le temps de faire les bonbonnes de gaz. Je revenais de. C'était juste après l'alerte. Je confirme, je t'ai vu faire les bonbonnes. Vous pouvez redire exactement, désolé, où est le corps? Couloir de office. En dessous de là où on fait la réunion. Office, là. Le couloir. Ah, ok. Moi, je peux pas vous aider vraiment. J'étais Moi, tout au début, de je suis allé côté droit, laboratoire. J'ai fait mes quêtes. D'ailleurs, avec quelqu'un avec moi, je crois. Moi, j'ai fait la fusée avec toi. Ouais. Je sais plus. Ouais, c'était Domingo, du coup. J'ai fait la fusée. Moi, PA, je l'ai vu au début. Et je suis redescendu. Moi, je suis passé par Storage parce que j'ai les quêtes avec le bidon. Et ensuite, je suis descendu. J'étais Weapon en train de faire le plot. Et là, j'ai vu Ponce. Et ensuite, quand Storage, je t'ai pas vu du tout Storage, par contre. J'ai fait Storage, l'émission avec le bidon. C'est Rayou. C'est Étoile. Et MV, ouais, c'est bizarre parce que j'ai les mêmes missions.
apparemment, c'était pas un double kill. Ah, si, si, mais au début, j'étais laboratoire, gros. J'étais laboratoire. Et ensuite, je suis venu. Oui, moi aussi. Et en fait, c'est bien pour ça que c'est bizarre. Parce que j'ai fait. En tout cas, MV n'est pas à gauche. Non, il y avait tellement de monde à gauche, on l'aurait vu. Et moi, je revenais d'en haut où Domingo et Ponce, hormis les lights. Ouais. Enfin, moi, j'arrivais après. Moi, bon, Jiraya, c'est très bizarre quand même, parce que le truc de storage, c'est long, et je l'ai fait, et je t'ai pas vu du tout. Je te le dis, je le répète, au début, je suis allé à droite, donc il y a Domingo avec moi. J'ai fait l'émission laboratoire, et ensuite, je suis allé faire l'émission storage. Le problème, c'est que c'est exactement mon passing, je ne t'ai pas croisé de la game. Non, moi non plus, je t'ai pas croisé, donc c'est bizarre. Je te dis ce que je te... Gommette sur Jiraya. En fait, Gigi aurait pu tuer MV à droite. Gigi aurait pu tuer MV labo, parce que je pense qu'MV, il a dû mourir labo. De la fin, là, c'est vraiment après Rayou, je sais moi, pas vraiment ce que mon c'est. Passing il était clair et net et je l'ai jamais vu quoi. Pour Rayou, je sais pas ce qu'il en est. Mais ouais, on l'a vraiment vu là. Je pense que Gigi a fait un kill. Gigi a clairement fait un kill. Comment ça s'appelle Je sais pas, une tâche de tout le monde ça non, c'est une tâche individuelle. Gigi a dû faire le kill labo, je pense, sur MV. Je pense. Manon, merci pour le sub. Bienvenue. Je vois pas comment ça pourrait... Oula. Ouais, ou je sais pas. Je sais pas exactement. Antoine, je l'ai zéro vu, moi. Il m'a dit qu'il était O2, machin, tout ça, là. Moi. Est-ce qu'on se checkerait pas Vitals, vite fait, là. Ça fait du bien de se check Vitals, comme ça. Boum. Ça check Vitals. Rien du tout. Là, les lights. Clac. Boum. Sion. C'est moi ? Oh, j'ai cru que c'était moi. J'étais Sion juste avant. C'est qui Sion, déjà ? Ok, je crois que c'est jaune là qu'on a vu. Ça se... Putain, c'est Jean Castex qui a tué. Oh, elle l'a pas vu. Elle a report direct. Jean Castex a tué spécimen, il est revenu. Je savais que Jean, il était chelou. Oh, non. Il a fait des trucs chelous, je l'avais pas vu moi la game d'avant. Alors, Little Big Well, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'était Xav, il se passe qu'il y avait PA, il était mort. Il est mort. C'est effectivement le cas. Oui. Alors, est-ce qu'il est mort vers Lava? J'étais au cam et c'est je l'ai vu, mais c'était un début de round. Non. Bon, moi, j'ai vu Xari aussi, hein. Au comms non, pour la dernière partie, rencontre. Je crois qu'elle est dans le... où êtes-vous, s'il vous plaît? Je viens de remettre les... Ah, il a bien joué, Antoine. Il s'est bien barré vite et tout. Je parle des bouteilles d'oxygène. Des bouteilles d'oxygène... Et toi, t'as fait quoi, en fait, Little... Attends, juste parce que moi, j'ai vu un truc très bizarre. T'as pas trop eu de chance sur mon timing, mais en gros... moi, pendant qu'il n'y avait pas de lumière, là, j'étais au Vitals. J'ai vu que Xari était mort. Ah, la non-chat. C'était le seul mort, nouveau mort qu'il y avait sur Vitals. Et la non-chat. Oui, non, mais t'inquiète, Ponce, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à ça. C'est-à-dire par contre, Margot, t'es où? Ouais, moi, j'étais là-bas, j'ai fait le scan, là, et j'ai fait un parfait. Truc de fil aussi. On se fait une petite game. Et j'avoue, je me suis pas déplacé quand il y a eu lumière. J'ai dit YOLO, je fais mes missions. Attends, mais parce qu'on va expliquer aux gens la longueur d'onde là. Parce que, en fait, en gros. Attends, j'explique juste. D'abord, je veux savoir ce que. Ah, il a pas. Bah oui, mais vu que c'est toi qui l'as tué, on s'en fout, non? En vrai, c'est gratos. C'est bon, tout le monde a dit où ils étaient. C'est vraiment pas moi. Non, Jean Castex, t'es où? Non, j'ai pas dit où j'étais. Moi, j'étais à Spécimen. J'étais à Spécimen, je venais de là-haut. Contenant. Je venais de là-haut et je faisais les tâches à Spécimen. Margot et Jean Castex, vous êtes croisés? Je l'ai pas vu, non. Bouteille. Ok, ce qui se passe, je vais t'expliquer exactement le contenant. Ce qui s'est passé. Ouais. J'étais sur Vitals avec. Ah non, c'est l'inverse, c'est l'eau. Je t'ai le vu contenant. Arriver, d'ailleurs, je crois que t'es allé d'abord admin. Ensuite, t'es revenu. Ouais. PA est descendu. Popcorn. Moi, je suis restée sur Vitals. Il y avait que Xari qui était mort. Quoi? T'es arrivé sur Vitals et boire, je suis descendue vers la chambre d'admin. Enfin, boire, contenant. Je sais que ce n'est pas toi qui l'as tué parce que la personne qui vient de le tuer, ça s'est littéralement passé là juste maintenant. Ah, belle. La gourdache. Disponible toujours d'ailleurs. On en a remis un peu de stock. Sauf si c'est reparti. C'est qui? Moi, en tout cas, j'étais à Spécimen, mais je suis arrivé depuis en haut à Spécimen. T'es sûr, Trivia, que ça peut pas être Ponce? Alors, okay. Oui, non, c'est sûr et certain. Oui, parce que Xari est mort aussi, et moi, la dernière fois que je l'ai laissé, c'était Combs. Combs, bah, moi, je t'ai croisé à Combs, Ultia, mais il n'y avait pas Xari, hein, perso. Moi, j'ai un doute sur Antoine ou Gomard, là, sur le coup. Dès que le truc a commencé, j'ai été labo direct, j'ai fait le scan et un fil, et j'ai pas vu Antoine passer par là, donc il est forcément passé par en bas, s'il dit bien qu'il a... Non, de Noël est top. Je vous fais juste mon passing. Vous avez vraiment un truc que peu de gens... Putain, je peux même pas parler. Bon, j'ai fait les fioles, je suis passé directement en bas. Ah, c'est Antoine, il a tout pris. Je suis désolée, c'est je peux même pas m'expliquer, mais ok. Ah, c'est un peu dommage. C'est très cool, les gars. Pardon, je me suis emballée. Non, mais c'est full random, j'avoue. Merde, j'étais sur Palabras. Oh, violon, c'est pas mal. Instrument.
violent. alors on va où nous? On va où? On va où? Quel boss? Quel boss? C'est le Xav, c'est le Xav. Je vais jouer en QWERTY, juste me préparer. Putain, je suis sur une quête longue là. Ah ouais, ça manque. Hein. Je sais pas s'il va y avoir une Zilan cette année. J'espère que les jeux seraient pas terribles. Hein. Ah mais donc c'était oui, vraiment Shankastex. Fenêtre. Sinon on aurait perdu. Je suis au couloir, l'entrée de Electrical actuellement. Spécimen. Tissu. Oh rideau. Ouais, toi, pense, je sais que les spécimens... Cam. Oh je me délecte. T'es resté tout le temps à Cam, Ultia ? Je me délecte là. Non parce que j'étais au Cam au début. Il y a un Game Pass février. Oui, alors en fait j'ai fait une tasse. Mais les jeux m'ont pas trop chauffé perso. Je sais plus où est-ce qu'elle était exactement, mais je crois que j'ai fait fusée. Et okay, ensuite, je suis repartie à gauche parce que je voyais les cams clignoter et ça s'est arrêté. J'ai dit, peut-être que quelqu'un est mort. Du coup, je suis allée au cam pour voir si la personne qui regardait les cams était morte. Donc, c'était Gigi Médon. Et il n'y avait plus personne, mais j'ai repris le relais. Et toi, je t'ai vu, du coup, Little Big Well sortir de Weapons. Voilà. Ah, tu m'as vu sortir de Weapons ? Ouais. Non, pas de Weapons. À droite, tu sais, la pièce à droite de Weapons, la base. De toute façon, la caméra, elle fait à droite, en bas de Office, en bas à gauche. C'est ça. Je pense qu'il l'a en deux. Oh, j'ai pas vu la cam. Il l'a fait deviner à Pokémon. Attends, Gomar est mort. Du coup, c'est Jiraya. Non, j'en avais un bon. J'étais sur admin et j'ai vu. En fait, j'ai croisé Ponce, j'ai entendu le pshh de Spécimen et tout. Donc oh, bien joué, Ogo. C'est ça. Et, ne le dis pas pour le chat, je vous fais jouer. Et tout de suite, les lights s'éteignent. Je vous fais jouer aussi comme ça. C'est un truc, je suis allée à Weapons et la porte s'est fermée devant moi. Et quand je suis rentrée, il y avait Margot dedans. Ah non, bah alors c'est pas moi, je viens de vous dire, là je suis à l'entrée du couloir d'Electrical. En effet, comme l'a dit Vicky, elle a vu les caméras, j'étais aux caméras au début, j'ai fait ma quête au niveau de l'arbre. J'en ai un pas facile. S'est coupé, je suis remonté et là je suis au niveau du couloir d'Electrical. Je suis jamais sorti moi. Je t'ai pas croisé, Gigi. D'ailleurs, parce que tu viens de dire que t'étais aux caméras, moi je suis dans le couloir des caméras. Si t'étais aux caméras, je peux pas te voir. Mais je suis bien arrivé par là. Comment on a fait pour pas se croiser? Par où? C'est impossible. Moi j'étais aux caméras au début, donc c'est pas possible ce que tu dis. C'était moi, les caméras qui clignotent. C'était moi, 100%. C'est le flocon. Donc là, je comprends. Ah déjà, là. Je ne sais pas. Les autres peuvent jouer, La fusion. Dans Weapons. Je ne suis jamais allé dehors. C'est impossible. C'est vraiment pas moi. Moi, je pense. Moi, j'hésite. En fait, le problème, c'est que ça va au chafon sur Ponce. Donc, vous avez l'air de dire. Moi, j'hésite entre Ultia et Little Big Whale. Sauf que Ponce a l'air de dire que Little Big Whale aussi pareil depuis le début. Que c'est pas elle. Et Ultia me fait l'histoire des caméras. Moi, c'était moi aux caméras au début. En fait, je t'accuse pas, Jiraya. Ah non, mais moi, non, je te dis que juste que là, on est quatre, donc il y a forcément un d'entre nous. Ponce a l'air d'être le mec le plus safe ever. Little Big Boy, c'est pareil, elle a l'air d'être sur truc. Donc moi, j'ai un peu de doute, mais je me dis bof. Après, ça joue entre toi et moi, Ultia, apparemment, sur le papier. Ouais. Du coup, vu que je sais que c'est pas moi, je vais te voter toi. Bah, c'est par logique. Je skip. Je skip aussi parce que vraiment j'en ai pas la moindre idée. Little Big Whale qui enquête à ce point me fait dire qu'elle est innocente et vous dites tout ce que Ponce est inno par élimination, je dirais que c'est toi. Et d'ailleurs, pour un, j'avais déjà des suspicions envers toi. Mais... C'était une game folle là, le pauvre. Bien joué de se lever. L'enfer. Ah, c'est quoi le jeu qu'ils font? En fait, on essaie de. C'est mot de passe. C'est genre vraiment pyramide, c'est. On essaie de se faire deviner des mots, quoi, en fait. Et techniquement, t'as 2-3 chances. Ou alors, avec le Xav, on s'amuse à call. Genre, on prend des mots au hasard du dictionnaire. Par exemple, là, vas-y, je vous le fais. Pendant qu'on se fait chier. Oh, le Xav, il a dit quoi? Non, il a rien dit. Heureusement que Jogesser a pu sortir un mode de fou. Putain, on va jouer à ça, après, ça va être cool. Ok, je commence. On va voir qui trouve. Je vous dis... ouais, mais c'est facile. Et mental. On commence facile. Là, c'est des mots au hasard, donc j'ai une liste de 10. Boum, direct, Sylvain. Sylvain le plus rapide, fromage. Tout à fait ça. Bien joué. Deuxième. Ouf. Je pense que ça sera en deux. C'est bon. Quand tout le monde a tenté, on y va. C'est bon. C'était fromage. Là, c'est des mots au hasard, donc... je vais dire... Cimetière. Ah mais là vous avez trop spam là. Parce qu'il y a des gens, ils ont peut-être un peu plus de délai. J'ai vu des gens l'avoir. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont dit mort.
Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit tombe et c'était tombe. On est en 2 sur 2, très bien joué. Ok, il va falloir que... Ouais, mais du coup, c'est facile parce que si je vous dis 2, là, les mots sont assez tranquilles. Je vais vous dire un petit... Ouais, mais en 2, si je vous dis les mots directs, c'est trop simple. Fruit. Tu vois, là, vous allez spammer. Là, c'était l'enfer parce que vous allez spammer l'intégralité du monde. En fait, il faut que je vous dise direct. Fruit poilu. Oh non, je suis retombé à 0 avant cette quête. Tu vois, du coup, là, vous... Ah, c'est kiwi. Mais en vrai, c'est trop facile avec vous. Hein. Attends, qu'est-ce que je... Mais putain, pardon, je n'arrive pas parce que je me concentre sur autre chose. Ouais, là, il y a trop de cerveau, là. Après, là, le run est facile, là. Qu'est-ce qu'il dit, là-bas, là ? OMG. Il y a trop de délais techniquement, non ? Si tu fais CTRL F5 ou quoi, t'as pas beaucoup de délais. Pendant 15 ans, je me suis dit, il va y avoir une dinguerie dans le bord. T'as 3 secondes, 4 secondes. Ok, bah, my bad. En fait, en gros, moi j'ai croisé Ultia en haut, pas très loin des lights, là, après les avoir remis. Et en fait, j'avais vu Gigi et Lil Wade, vous avez vu à Spécimen. Moi, je voulais rester tout le temps avec quelqu'un, comme ça, s'il y avait un mort, de suite, ça innocente l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? S'il y a un mort, tu sais que c'est l'autre, quoi. Mais du coup, je comprends pas. Bah, du coup, je comprends pas non plus. Mais j'ai fait CTRL F5, j'ai une pub. En même temps, bien joué, c'est ma technique pour vous baiser maintenant. J'ai eu tellement peur. Enchanté. J'ose pas vous mettre des pubs, je fais ça. En fait, excusez-moi, on n'est pas obligé. Là ou pas ? Là ouais je suis tout en fait je suis tout seul, je suis allé remettre les lumières parce que dedans je m'étais mais attendez c'est pas possible je en fait on était en bas à droite on était tous ensemble, bloqués mais moi j'avais peur c'est si on se sépare il y en a un qui meurt et après il y avait le timing après, et c'était trop chiant moi remettre les lumières après moi je voulais justement me split parce que je trouve que ça se fait pas trop pour les imposteurs de la plus gentille tu vois mais du coup quand je suis décidé d'aller remettre les lumières Ponce venait juste de le faire en effet ouais il me reste deux tâches il me reste. Moi j'ai fini mes tasks. Hein. Depuis c'est pour ça que je suis avec vous depuis tout à l'heure. Je sais plus rien. Là, la task elle est montée dans. Il m'en reste une en vrai. J'ai ouais ok. Il m'en reste une aussi. Mais c'est toi et t'es dissipé ou enfin je sais pas je comprends pas. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a ? Ah non non pas du tout. Alors qu'on a vouch sur Ponce. Ah oui carte. Non non non. Ouais, là je viens de remettre la lumière parce que je paniquais parce que personne le faisait et après je me suis précipité sur le bouton parce qu'en gros je me suis dit vu que je t'ai croisé, je me suis dit si Gigi est mort, c'est Lil Whale. Si Lil Whale est mort, c'est Gigi. C'est dur vu que je t'ai vu en haut. Attends, mais je suis en train de craquer. Voilà. Ponce, en fait, attends, est-ce qu'à un moment je l'ai innocenté et il y avait eu 2 kills ? Bah, en fait, moi j'ai innocenté Ponce. Non, mais cette game là, j'avoue. 2 kills une fois, je crois. Mais non, ouais, mais parce que moi, à chaque fois, je l'ai innocenté parce qu'il n'y avait qu'un seul kill. Non, non, commencez pas dans ce sens là, vraiment, ça n'a aucun sens. Ultia, là, quand on s'est croisé à l'électricote, je t'aurais tué. Enfin, c'est. Très bien. Très bien, c'est pas bon. Après, cela dit, là, si vous reste une quête chacun, normalement, moi j'ai fini. Donc, si vous reste une quête chacun, c'est sûr, c'est pas bon. Moi, il m'en reste une de quête. Mais alors. Je skip. Ok. Bah, finissons les quêtes en vrai, ça sert à rien. Je vais dire à partir de là. Jiraya, c'est toi ? Ah c'est non, trop c'est bizarre, pas mais c'est qui je sais pas, c'est quel voté pour Jiraya bah, j'imagine Lutia, mais. Non, c'est pas moi. Non, je déconne, c'est moi. C'était pour voir. Je suis en train de dire, oula, wait, what bon, j'ai rien suivi de la game. En même temps, on avait un sacré. On avait un sacré jeu, quoi. Hein. Faut le dire aussi, hein. Il y a un moment où. Oh la Gige. Oh la Gigeouille. Oh mais c'est vrai que j'ai mes quêtes à faire. Ah non j'ai aucune quête. Ouf, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Hein. J'ai cru que c'était moi qui depuis le début était en train de. Tout va bien. Ah la gige. La gijouille quoi mais. Il va faire quoi ? Il va report là ? Tu vas pas report quand même ? Ah non il attend le CD pour si jamais quelqu'un est dans le coin. C'est le Xav qui a pas fini ses quêtes. Ah bah ouais, il est nickel là du coup. Ah bah Little Big Well, on est ouais, d'accord 100%. Là. Gab, merci pour le prime. Gigi au bout de sa vie. Ah c'est sûr, 100%. De quoi 100% Gigi ? Bah c'est toi Ultia. Bah non, du coup, c'est pas moi, je viens juste de justement, j'étais à l'arbre de vie. J'ai mais remonté. C'est impossible. Bah je t'explique ce que alors si vraiment tu me dis que c'est impossible, soit on se fait brain par Little Big Well et c'est incroyable Gigi. Bah mais soit c'est comme toi. La... c'est pas moi, je t'assure. J'explique mais Gigi il est en masterclass en fait là, parce qu'il a réussi à les brain vie, alors qu'on est en task parce qu'il m'en reste que en fait il a vraiment réussi à le brain là alors que moi pour moi c'était game là. Je pensais que j'en avais qu'une mais voilà, j'en ai plus d'une. Je remonte et là je croise Little Big Well en train de remettre l'électricité. Et là bah je descends et je vois le corps comme toi en fait Little Big Well.
Ah, attends. Oh. Et oui. Attends, quoi? Je t'ai pas vu. Ok. Ouais. Eh ben oui, on est toutes les deux là. On arrive vers le corps toutes les deux. Oui. Ok. Par le haut, on est descendu ensemble. Ben moi, je t'explique mon passing. Au début, je suis passé avec. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, je t'ai laissé. T'es parti laboratoire. Mais d'accord. Ouais. Moi, je suis passé côté gauche. Je bougeais. Je fais les communications, machin, etc. J'ai pris le sas. J'étais admin pour voir où était, où vous étiez. Et du coup, j'ai vu que ça bougeait. Et ensuite, je suis descendu. Et là, je suis specimen room. Donc, c'est impossible ce que tu. Mais mec, mais. Mais non, arrête, c'est pas possible. Vraiment, je t'assure. Je deviens dingue. Non, non, donc, c'est vrai. Donc en vrai, soit le tir. Non, non, en vrai, de toute façon, c'est coin flip. Non, c'est pas moi, je te jure, Trivia. Je comprends vraiment pas. Moi, je mets une grosse pièce sur. Je pense que c'est toi, Jiraya. Je suis désolée, mais je suis le troisième imposteur. Bah, pour moi, c'est soit Ultia, soit je comprends pas. Franchement, si Ultia. Franchement, si c'est toi, je vais voter Trivia parce qu'en vrai, t'es une machine. Mais non. Improbable. Trivia, si c'est toi. Dommage, GG. Tu l'as trop forte, elle nous a baisé. Non. Trivia, si c'est toi, c'est vraiment petite la bête vu qu'on n'a pas beaucoup d'un game imposteur. Ouais, mais les bêtes en crewmate, tu vois, genre. Est-ce que je vais être crewmate ou pas? C'est cadeau, quoi. On peut se faire un bête là, est-ce que je vais être crewmate? Extraordinaire. Non, mais les gars, Jiraya, je l'avais full baisé. Il est fort. Juste après, et tout le monde s'en fout. Mais moi, si je l'avais round 1, mais après, vous avez vu sa manière de parler? Vraiment chaud. Ouais, vas-y. Go bête, Sarah. Est-ce que je suis imposteur? Oui, non, mais faut aller vite là. Faut aller très très vite parce que sinon, ça va être. En fait, le moment où on était plus 4 avec. J'ai éteint l'électricité. En vrai, là, j'étais avec Trivia. J'aurais pu tuer Trivia. Et ensuite, ça, c'est vraiment j'avais gagné. C'est beaucoup plus drôle de tenter. Parce qu'en fait, tout le monde était si calme dans la game. Je trouvais ça trop drôle. Ah oui, non, mais là, ça m'a retagué. Je pense que c'est trop tard. C'est pas possible. Je pense que c'est trop tard. On peut le faire pour la last. On peut le faire pour la last. Vraiment, tu lui as dit ce que j'avais fait exactement. On peut le faire pour la last. Et j'étais en mode, mais gros, il y a un problème. En fait, tu sais que tu m'as trop baissé, Xari, parce que le coup du soleil. On le fait pour la last. Comme ça, la last. Personne ne le fait, mais justement, quand je l'ai fait, je me suis dit, voilà. Je suis le seul à le faire, ça me dégoûte. J'avoue, j'ai su un peu, mais après, ils m'ont oublié ronde d'après. Ah, ils total. Tu m'as tué en plus, c'est vraiment. Là, vous êtes en train de dire oui, non, dans le chat. En fait, il y a une fonctionnalité que Twitch a développée. T'as bien joué, t'as été bon. C'est le tout début, mais. Très chaud. J'ai pas lancé très chaud. Merci Antoine. Désolé, Rayou. Heureusement qu'il y a des mots de passe, quoi. Bonne game. Bonne chance. Et ben voilà. Vous auriez pu prendre à une cote de 1-20. À une vieille cote de 1-20, que ma vie ait pu la merde. Et c'est 1-15 hein, pour la prochaine. Ma vie qui pue la merde, là, c'est en train de baisser la cote. Hein. C'est vraiment... C'est assez fou, quoi. Je dois vous avouer qu'on n'a jamais vu ça ici. MDR, toutes les semaines. Boum. Non, après, là, on est en vie, déjà. Il n'y a pas eu trop de T1 aujourd'hui. Mais là, ça va, on n'a pas trop joué du coup. Juste, j'avoue que le mode. En fait, là, le mode fait que tu peux parler aux gens. Donc, crewmate. En fait, le mode te rend la vie crewmate plus cool. Et on le sait que c'est insane Among Us quand t'es imposteur. Le souci qui peut être chiant, c'est vivre avec la vie de crewmate. Et j'avoue que le mode Proximity Voice, pour ça, c'est propre. Après, on l'a bien test. Hein. On a pu un moment. On a pu parler. Faut absolument le tester. Ouais, mais du coup, ça nous a niqué, quoi. Oh non, Jean Castex. Je peux voir tes stats. Ah ouais ? Comment ça ? De quoi, Étoile ? Alors, les amis, ok. Je vais vous dire quelque chose. On peut peut-être lancer le vote pour la prochaine, hein, si vous voulez. Est-ce que je suis crewmate la prochaine ? Derrière on peut se dire ça, quoi. Bibliothèque en train de il a fait la blague de la bibliothèque, le prank. Ah, le prankeur fou. Non mais je vous explique, en fait j'étais derrière la bibliothèque en train de lire quelques livres et il se passait rien. Du coup après je me suis dit ok, il y a deux personnes specimen room, donc il y aura peut-être des morts. Je suis allé vitals, il y avait personne de mort. Je suis retourné table admin, les lumières se sont éteintes. Et Antoine s'est dit oh bah tiens, je vais pouvoir tuer Xari dans la lumière éteinte. Et en fait bah j'étais là, puissant comme le vent. Mais attends Étoile, de quoi tu parles en fait? Les lumières sont éteintes et j'étais absolument pas ici, j'étais à Weapons à ce moment-là, Étoile. Alors c'est très bah oui, c'est vrai, moi je viens juste de En vrai, c'est vrai, je viens juste de l'île. T'étais à Weapons après, à l'instant, c'est ça Antoine? Alors, j'étais Antoine... littéralement à Weapons à l'instant, Étoile. Gaga, merci pour le prime. D'accord, ok. Je dis tout le temps. Non, c'est juste que... Non, mais Antoine, c'est juste que... Là, j'ai...
J'étais sur mon 19e astéroïde et j'ai vu personne. Antoine, je suis... Oh, en vrai, c'est horrible. Et Ultia, du coup, tu l'as laissé, toi ? Non, je ne l'ai pas laissé à Weapons. Je l'ai laissé et il allait vers Weapons, en effet. Okay, après, moi, je ne l'ai pas vu dans Weapons. Oh, le claquage. Oh là là. Non, c'est vrai. Ok, ok, ok. Je vous jure, je l'ai vu faire ça. C'est Antoine, du coup ? Les amis, c'est... Enfin, je vous dis que c'est Antoine. Après, après l'avantage d'Antoine, c'est que Xary est mort et tu vas pouvoir jouer à mot de passe. Odari, merci pour le prime. Xary, il attend juste quelqu'un pour avoir un, pour avoir un partenaire de mot de passe. Let's go. On t'envoie Antoine, on t'envoie Antoine. J'ai voté. J'ai voté. Les deux personnes qui avaient spécimen, bah, c'était Xary et moi. Je l'ai laissé, Xary, il est parti. Il n'y a aucun doute. Il y a 32% de gens qui ont pensé que j'allais être imposteur. Bien vu, Étoile. Mais vous êtes malade, les gars. Tâches, Antoine. Hein. On l'a été une fois de la soirée, je le suis genre... Vous êtes mais des grands malades. Ultia, elle a voulu le def, après elle aurait pas commit, je pense. J'ai vu quelqu'un, je sais pas qui c'était. Putain, par contre, le moment où tu meurs sur la technique impossible de Rayou, là... Rob, merci pour... c'est le prochain... Non, mais c'est le prochain, je sais, c'est pour la prochaine game. Mais vous êtes déter, quoi. Vous savez ce que vous faites, j'ai l'impression, de toute façon. Personne n'est allé au light, du coup. Hein. On a tous tellement la flemme, mais ils doivent être, j'allais dire, enchaîner les kills, mais on a vu que non. Donc là, je vais passer, je vais crever. Parce qu'il y a un mec qui attend. Non, ils ont dû se dire, ils sont se casser, là. Ok, ouais, tout le monde s'est dit, bon, il se passe quoi ici? Ok, Rayou. Bon, Rayou, de toute façon, je pense qu'il est safe, du coup. Ok, Rayou qui fait sa petite mission. Tranquille ou pilou. MQ, merci pour le prime, MQ. C'est très gentil, MQ. Où est ma quête, en fait? Elle est là. Est-ce que c'est une game où je dois vent, là, tu vois? Putain, j'ai envie d'émotion. Genre... Oh, Gigi, s'il te plaît. Ouais, Gigi pouvait très bien se balader. C'est pas un argument décisif. Ok, je vais juste check. Ok, Rayou qui était vers Vitals. Pas pressé sur les lights, hein, autour. Hein, vache. Oh no. Tout le monde, ouais. J'avoue, les lights. Gintronix, merci pour le prime. Tout le monde a eu la flemme. Mais on est tous arrivés en même temps en plus. Ouais, en mode, oh là, ça commence à faire long là. Ouais, par contre, là, s'il y a MV vraiment. MV étoile qui sont morts. S'il y a vraiment qu'un seul tueur, parce que. Mais vous êtes sûr que Jean Castex était vraiment tueur? Ouais, je pense. Ouais, je pense parce que Rayou aurait pas pris ce risque-là, bah, tu vois. Ok. Ouais, et puis... Bah, pour le coup, moi, j'ai voté skip et il y a deux autres personnes qui ont voté skip, sinon tout le monde était sur Antoine. Alors, donc je pense que c'était les deux impôts et moi qui ont voté. Pas sûr, parce que je crois que j'ai skip aussi. Ah. Ah. Ouais, je crois. En vrai. Après, Étoile avait dit, tu sais, il est mort. Là, il s'est fait schlaff. Oui, donc, tu vois, il avait aucun intérêt à accuser Jean Castex en tant que. Bah, c'est ça. Ouais, c'est pour vrai. Ça. Je pense que c'était vraiment Jean. Mais du coup, la personne a quand même tué deux personnes, quoi. Oui, elle a eu le temps. Un temps, il a fait noir 20 minutes. Donc, Par contre, j'aimerais. Tu peux nous dire, Trivia, où était le corps, du coup, ou pas? Oui, bien sûr. Il était admin. Admin. Bah, toujours près de la bibliothèque. En fait, Rayou, je pense qu'il a pas bougé depuis deux rounds. Quand j'étais au CAM, il était vers. C'est où exactement, admin? C'est dans la salle où il y a la table, ou c'est genre vers le. C'est en bas. Ouais, c'est la table, ouais, c'est ça. D'accord, ok. C'est la table d'admin. Alors, c'est en bas d'office. C'est là devant le spécimen, enfin la porte du spécimen. Moi, j'ai rien vu. J'ai croisé Gigi un moment, mais sinon. Ouais, ouais, ouais. J'ai croisé O2, je crois. Aussi. En fait, moi, j'ai croisé, je crois, tout le monde à part Ultia. Ouais, on s'est pas mal croisé. Ouais, j'ai croisé. Alors, sur la fin, j'ai croisé Trivia qui partait côté droit, du coup. Ouais. Mais moi, j'allais côté gauche faire mes tasks. Il n'y avait plus les communications à ce moment-là. Mais j'avoue que j'ai pas vu énormément. J'ai vu PA plusieurs fois, quelques fois. Et électricité, ça a duré tellement des années, j'ai pas compris. Genre, j'ai dû passer un mur de portes, mais vraiment, toutes les portes étaient fermées. C'était hallucinant. Et quand je suis arrivé là-bas, je pensais qu'il allait avoir trois cadavres au sol, quartier Mirabol. Mais en fait, il y avait tout le monde. Et du coup, je sais pas trop. Cette game, je vous avoue, enfin, là, sur ce round, je sais pas trop. Moi, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même deux kills. Donc, du coup, les CD ont été utilisés vraiment. Ouais, ouais. Et en vrai, j'ai beaucoup croisé PA. Je pense pas que ce soit PA. Honnêtement, j'ai croisé aussi Lil Whale. En fait, à un moment qu'on allait remettre l'électricité, on était absolument tous là, ouais. Sauf Ultia. Ouais. MV, il était là aussi ?
Mais moi, je viens jamais pour l'électricité, vous le savez. Ouais, mais force est de constater que moi, j'ai croisé tout le monde. Là, c'était une team de gens qui n'allaient pas aller... Non, pour j'étais le coup, à la... même moi j'étais en mode ouais vas-y on remet pas l'électricité et même. Tout il y a quelqu'un qui va le remettre et ça a duré tellement longtemps que bah, je me suis dit bah, je vais y aller quand même et tout le monde y a été au même moment. Ouais, on s'est tous dit c'était vraiment le moment où ça commence à être trop quoi. Et tout à l'heure il y a Ultia qui a dit un truc en mode si je l'ai astéroïde mais c'est très léger hein, c'est pas grand chose. Oui, et c'était mais... faux. Ouais, elle a menti sur le Jean Castex. C'était juste pour donner le peu d'infos que j'avais parce que j'avais pas trouvé personne. Il y a pas de souci. Moi je vois des petites traces, je dis. Des petites pattes d'animal comme ça, moi je traque, hein, je chasse, voilà, je repère. Enfin, je chasse pas, encore heureux. Mais je traque, je suis un tracker, bonjour. Bienvenue sur ce stream. Alors, je traque et je répare. C'est vraiment les deux grands trucs que vous retrouverez sur... Ah oui, j'ai encore beaucoup de quêtes. C'est vrai que moi j'étais parti dans un truc... Weapon, je suis encore tranquille. Mais en même temps, ça sabote beaucoup. Donc je sais pas si c'est Antoine qui chauffe là, ou... Oh, le double! On a déjà vu ça? On a déjà dû voir ça. Parce que ça, honnêtement... Ça, tu vois, ça reste quand même un... C'est assez plaisant. Ça reste une tâche... On a déjà vu le double. Hein. Putain, c'est peut-être le triple qu'on pourrait tenter. Please return. Il n'y a pas de souci, moi, je reviendrai. Est-ce que je me ferais pas l'admin? L'admin, c'est plaisant, quand même. Et c'est quoi le bug de la bibliothèque? C'est un bug? C'est du coup, tu te mets... Oh merde, j'ai essayé le bug, moi. C'est moi. Ouais. J'ai eu peur. Ok. Et bon, on y retourne. J'ai eu peur, parce que... Ouais, petit coup de stress, j'avoue. Je suis juste rentré dans... Juste parce que j'étais là, mais... Ouais. Je me suis arrêté pour check les vitals, je voulais juste... Ok. Ouais, mais oui, mais même dans le labo. En fait, on s'est suivi de labo jusqu'à... À partir du moment où je t'ai vu, je suis parti et tu m'as suivi. Et ça m'a fait peur. Parce que, en gros, ce que j'étais... Comme la peste. Ce que j'étais en train de dire, c'est que, honnêtement... premier round, tu es la seule à défendre Antoine en disant un truc, une info que t'as. Arrête, s'il te plaît, tu vas pas t'attarder. Non, mais c'est très léger, c'est très léger. Je te dis que c'est vrai, je l'ai vu partir. Mais encore là, maintenant, je vous le dis, c'est vrai, je l'ai vu partir en direction de Weapons. Je ne l'ai pas vu rentrer dans Weapons, mais je l'ai vu partir là-bas. Et là, regarde, j'aurais pu te tuer 12 000. Là, t'as en fait, jusqu'au bouton. Ouais, mais du coup, justement, il n'y a pas eu de kill. Je suis arrêté aux Vitals. Et justement, et comme par hasard, il n'y a pas eu de kill. Voilà, moi, j'ai voté. Moi, je vote Ultia. Moi aussi. C'est-à-dire que là, j'ai passé le round avec toi. Là, on vient de passer 20 secondes ensemble et tu m'as pas tué et il n'y a pas de kill. On a envie de la gamme d'après. J'étais bien innocente. Honnêtement, je reste toute seule, ça va pas. Je reste avec vous. Elle l'a pas accusé au tour 1. Mais oui, s'il vous plaît. Elle a juste dit oui. Non, pardon. Le tour 2. Le tour 2. Mais vous vous trompez de combat. Ça veut dire c'est quelqu'un d'autre. Le tour 2. Interrogez les autres. Juste, le tour 2, je croise absolument tout le monde, sauf personne et Ultia. Ouais, oui. Sauf les morts et Ultia, pardon. Alors, mais tu sais que je pars tout le temps de mon côté. Moi, je reste oui, mais pas c'est bizarre avec 6 000 personnes. Coup, mais je veux pas rester stack pour les tueurs. En plus, on en a conclu qu'Antoine était vraiment imposteur. Du coup, l'idée, c'était quand même de permettre aux seuls tueurs restants de pouvoir faire des kills. Si on est tout le temps assis ensemble, ça marchera jamais, en fait. C'est She's pas got du jeu. A point. She's got a point. Donc oui, je pars tout seul. C'est vrai qu'Ultia joue beaucoup comme ça. Mais bien sûr, ça se fait trop peu. C'est vrai, mais en fait, le truc, c'est que force est de constater... Ah, moi, je suis quasiment sûr, parce que force est de constater que selon les stats, en fait, ça peut pas être Gigi, ça peut pas être PA, ça peut pas être Little Big Whale, ça peut pas... Il y a juste Gomar, je sais pas trop, mais... Bah, forcément, puisque... Enfin, je sais pas. Vas-y, go skip, hein, mais honnêtement... En tout cas, on t'a entendu, ça, c'est important. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'ai posé. On a entendu tout le monde, et je pense qu'il va falloir faire attention là, mais... C'est pour ça que j'ai buzz. C'est pour parler. Non mais ça, on sent que ça t'a fait du bien. On est là pour de la discute. On juge personne ce soir. Hein. Merci. Oh là là, c'est Gomar du coup ? Non, c'est pas Gomar. Gomar me fait pas ça. Gomar, je te le dis, Gomar. Me fais pas ça, Gomar. J'ai l'impression que t'es très décidé, que t'as quand même une quête. Que t'es pas allé là comme ça, l'air de rien. Le vous vous trompez de combat, il est fou, mais je pense qu'on se trompe pas de combat, moi. C'est triste, mais je pense vraiment qu'on se trompe pas, quoi. Ça, en fait, ça vaut le coup de rester maintenant. Vous vous trompez de combat ! Enfin, ça vaut le coup, ça, c'est speedrun, ça. Oh, il y a quelqu'un qui arrive là. Oh, je vais me faire fumer là. C'est qui ? Oh, c'est Lil Whale. Je me casse. J'ai pas envie de voir Lil Whale. Attends, il y avait quelqu'un là. Il y a Ultia sur la vente. Gros, il y a Ultia sur la vente. Ah non, elle était dans le... Ah, il y avait tout le monde. Ok, il y avait tout le monde. Il y avait...
Wow. Il y avait juste tout le monde en fait. Ah mais c'est vrai que ça faisait beaucoup là tout d'un coup. Bon, on s'en sort les gars ou ça va ? Besoin d'aide ? Moi je répare. Hein. Bon, les gars qui ont besoin de moi, je répare. Moi ce que je fais c'est réparer donc... Je sais pas qui joue comme ça, ça pourrait être... Ça pourrait être MV qui joue si slow. Trivia ? Trivia qui essaye de jouer Super Brain. Là s'il y a un kill c'est Trivia de toute façon. Et c'est où ? C'est dans la bibliothèque là ? Ah tu peux en gros te cacher là mais tu vois rien non ? Qu'est-ce que tu vois du coup ? Ouais Specimen Room on peut aller voir quoi. Ouais non mais MV il est mort dès le début mais... des fois il fout le dingus, des fois il s'endort. Ouais bah je vais faire ma quête moi j'avoue que... Oh Gomard elle m'aurait fumé quand même. Je pense qu'elle a fait full ses quêtes là, moi j'ai fini mes quêtes. Qui a tué Gomard? Tout le monde a dû y aller là. Est-ce qu'il y a un petit cadavre qui reste? Il n'y a personne qui reste. Hein. Oh bah là. C'est qui? Reste qui? Les deux électricoles. J'allais buzzer. Alors. Ah, bah tiens, c'est marrant. Moi, on a remis les lights. Ah oui, non, pardon. Pardon. J'ai croisé Gomard qui revenait de Specimen. Moi, je suis allé à Specimen justement faire ma dernière quête. J'y suis allé au moment où je l'ai croisé pile au moment où les lights s'éteignent, je crois. Et en gros, je reviens de Specimen et je la croise dans le couloir de Office, morte. Après avoir essayé de comprendre le truc de la bibliothèque là, parce que ça avait l'air sympa. Mais pas beaucoup plus de trucs. J'ai vu sur admin que vous étiez deux électricoles, je crois, un moment. Voilà quoi. Oui, on a été trois. Il y avait Gigi, Lil Whale et moi. Ah, Ultia, elle était plus avec vous du coup ? On était tous les trois. Non, Ultia, j'ai jamais vu de la game. Jamais vu Ultia non plus de ce round. Quoi ? Bah moi j'avoue qu'au moment où on a mis Electrical tous les trois, mais le attends, premier truc que j'ai dit à l'oral, je ne sais plus avec qui je suis restée, je suis restée tout Gomard. Le début du round et tout, on a fait les comms ensemble, et Gomard. Après je suis partie, oui bah comme d'habitude, c'est le même discours en fait à chaque fois, mais bon, je connais la strat, il faut rester avec des gens en fait pour... Non, c'est pas que ça, je pense que là c'est un concours de circonstances. Non, c'est, ça commence même à moi, faire... Moi par exemple, tu vois Ultia, j'ai passé vraiment toute la moitié de ce round tout seul à gauche pour finir mes tasks, moi d'ailleurs j'ai fini mes tasks. Okay. Quand je suis allé à l'électricole, encore une fois, toutes les portes étaient fermées. Et du coup, j'ai vu Ponce, on s'est croisé, tu m'as suivi, j'allais faire les câbles dans le labo. Voilà. Et ouais. Ensuite, l'électricité s'est coupée, on s'est suivi. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait Little Big Way, je suis resté un peu à l'écart pour voir s'il allait y avoir un petit kill. Donc, je suis revenu, je vous ai vu. Donc, pour moi, c'est impossible que ce soit un de vous deux. Après, il reste le cas du self-report PA. Mais bon, c'est un peu gros. Et le problème, c'est que Lutia, il y a tout que des timings comme ça qui t'accusent. C'est même mais pas je suis restée avec Lutia. C'est fluide ce qu'il dit. On a refait les coms ensemble. Je suis allée voir les cams. J'essaye d'enquêter de mon côté. Ah oui, mais au bout d'un moment, il y a bien un imposteur. Et bon, ouais. En fait, toi, c'est le jeu quoi. Trivia, moi, je l'ai croisé. Je la vois un peu en électron libre. Mais Trivia, c'est sûr, c'est pas. Ok, bah, du coup. Et à un moment, non, par contre, à Labo, moi, j'étais de l'autre côté. Vous avez voté quoi ? J'ai voté Lutia. Bah, ah, c'est soit Ultia, soit Ultia, soit PA, mais vu que ça fait 4 tours qu'on dit que c'est Ultia. Bah ouais, vous m'avez voté, donc c'est Gigi. Ah bah non, même pas. Ah bah. Quel dommage. Il y a eu un petit vote Gigi surprenant, là. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi. Mais... Et un skip. Ah mais je pensais que vous avez tous les trois voté. Attends, mais qui a voté Gigi? Attends, mais non. Oh là là. Ah, putain, t'as trop bien joué, Ultia. Désolé. Merci, tellement pressé de rebourrer. Ultia, j'avais tellement pitié. T'as tellement bien joué, Ultia. C'était qui, l'imposteur? Pas gros. C'était Antoine et moi. Ultia, j'en caste. Bien joué, ouais, bien joué, Ultia. Mais putain, je connaissais pas cette strat de la bibliothèque. De la bibliothèque, toi, c'est un classique. Ça a l'air fort. En fait, t'as juste une bibliothèque en bas et tu te mets derrière et tu vois ce qui se passe, en fait. En dessous de la table. J'ai déjà eu en dernier. Moi, je l'avais pas vu. En fait, j'étais au début, du coup, j'étais caché. Et après, je suis allé au Vitals et j'y suis retourné
Et après, bah, y avait... au moment où je voulais y retourner, bah, j'ai vu Antoine sur moi qui tue Xari. Et il m'a pas vu parce que j'étais sur le... Moi, je me suis dit, ce serait vraiment bête que je me fasse tuer là. Allez, mort. Et j'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Je faisais des kills verts. Ah non, mais t'as trop bien joué. T'as trop bien joué. Je t'ai regardé tout le long. Très bien. Les jeux sont faits. Courage à tous. J'attendais sur la porte de gauche. Je me suis dit, faites que la personne arrive par là. Et il est arrivé. Code de 3-18. Je t'avoue que t'as eu. Ceux qui ont voté que je serai imposteur. Code de 1-46. 1-46, c'est une belle code pour moi, un crewmate. Je suis dégue. Mais après... Honnêtement, 1-46, elle met pas si mal. Après, c'était la fronde. À voir à quel point vous avez commit, quoi. Ah ouais, Thierry. Il y a un mec, il a mis 120k. Phénomène. Allez, je colle l'avant-dernière. Bonne chance à tous. Bonne game. GL. Bonne game à tous. GL, chef. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas de plaisir. Il y a de la perte de gold. Il y a... C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Et là, vraiment, il y a des gens qui se mettent très bien sur un 1,50. Sur un 1,50, il y a Thibaut qui a mis 196 000. Parce que pourquoi Thibaut, il met 196 000? Parce que les soirées de merde à attendre que je sois imposteur, à me voir à 80 BPM, il les a vécues. Il les a passées en notre compagnie. Les moments où il s'est mis au bout de 3 heures de game, je sais même plus ce que je fais, c'est en lui. C'est en lui. Donc, et là, en fait, Antoine, quand il commence... par les cams, il est safe. Je remarque pas assez, mais il y a tellement de deux gameplays différents. Nous, on a de l'espoir. C'est vrai, vous avez de l'espoir. Les autres, c'est fini, c'est mort. Donc, Xari a dit qu'il y aurait peut-être une dernière. Sarah prépare peut-être le petit sondage si jamais. S'il la colle l'avant-dernière. Oh là, Bonsoir. Bonsoir. Je peux innocenter... Ah, ça dépend. Où est le corps? Bonsoir. Il est dans le couloir qui mène à Spécimen. Ok, je peux innocenter à 100% Domingo PA. Putain, yes. Qui est parti à droite au début? Bah, moi. Moi au début, et puis je suis redescendu. J'ai fait full caméra tout le long. Ouais, Jean Castex était caméra. MV... Du début à la fin. Moi, j'étais avec PA à gauche, donc... Moi, j'étais avec Jean Castex sur le côté, mais j'étais... autour des cams, quoi. Ouais, j'ai vu penser à faire la light. MV, t'es passé labo au début, après t'es descendu, c'est ça? En fait, j'ai passé labo, j'ai ouvert le sas et il y avait Trivia qui voulait rentrer avec moi. Et vu que j'ai eu peur, en fait, j'ai fake, je suis ressorti et j'ai fait une petite tâche labo et je suis re-rentré à Spécimen et en arrivant à la salle de Spécimen. D'ailleurs, on s'est recroisé, moi je suis ressorti labo, donc. D'accord. Et qui est sorti là? Attendez, pardon. Par contre, le corps est où, vous avez dit? Spécimen. Non, Spécimen. Ok, parce que moi, quand je suis allée labo tout au début, j'ai vu quelqu'un y aller directement. Alors, je sais pas si c'était Jiraya ou. Après, c'était la personne juste, je dis juste un truc. Étoile nous. J'ai vu la fumée. Étoile nous dit qu'il est bibliothèque, mais on sait pas quoi. Oui, voilà, Étoile nous dit qu'il est bibliothèque, mais c'est juste à côté de Spécimen, quoi. Oui, par contre, moi, il y a personne qui peut m'innocenter. Je vous donne mon passing. En fait, j'ai fait mes missions au début. Et ensuite, je suis descendu très vite admin. Au moment où je suis descendu admin, j'ai vu que les lights se sont éteintes. Du coup, j'ai eu peur. Je pensais qu'il y aurait un kill. Du coup, je suis allé vitals. Et après, je suis retourné admin et j'étais pas loin d'admin. En fait, je voulais aller weapons, mais j'avais peur parce que dans admin, il y avait une personne weapons. Donc, je me suis dit, imagine, c'est l'imposteur qui va me schlass. Moi, j'ai toujours du mal avec la strat de je descends tout droit. Je descends tout droit sans partir labo ni gauche. Après, pourquoi pas. On n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Du coup, ah ok, ouais, c'est ton gameplay. C'est une stratégie qui est pas mal utilisée, je crois, mais dans le championnat américain. J'étais labo. Donc MV, il y avait une personne que j'avais pas, donc ça devait être toi MV, qui était avec Trivia. Et je faisais mon scan, quand j'ai arrêté mon scan. Ouais, après vous êtes parti en bas. Quand j'ai arrêté mon scan, Jiraya était encore là et est descendu en bas. Moi, j'avais pas vu, j'avais une mission. Ouais, vas-y, go. T'es pas parti en bas? Non, moi je suis pas parti en bas, Margot. Ultia, t'es où toi? À chaque fois, c'est entre Margot et Trivia. Quand j'ai fait ma température, j'ai vu Trivia. Parce que je l'ai pu passer, genre vraiment, en fait, le kill il s'est fait à un sas de moi. Juste parce que du coup, il y a Trivia, il y a MV, Gomard dans le coin. Ultia, t'es où toi? En bas à gauche. Au deux? Oui, elle était pas loin en bas à gauche. Ok, d'accord. Domingo qui était en bas à gauche aussi à la fin. J'avais pas vu, mais ok, d'accord. Si tu me dis, pas de soucis. Moi, je te croirais. Il y a peut-être un Rayou. En tout cas, elle a été un moment. Rayou et toute la petite team, quoi. Rayou et toute la petite team. Une belle petite team, d'ailleurs. Oh oui. Ouais, PA a été imposteur combien de fois? Une. Pompon, on a fait nos bails ensemble. Après, il n'y a qu'un kill, donc
C'est pas, ça veut pas dire grand chose quoi. Ryu qui est parti en full, full weapons. Me dis pas que tu vas me tordre le cou. Ouais, c'est risqué de faire le kill comme ça. Ouais, Ponce qui a l'air de... Ponce qui a l'air de vivre une vie de petite fleur libérée quoi. Oh les deux là. Oh les deux, Starkey, Starsky et Hutch. Ultia fait un... Non, Ultia fait pas si peur, pardon. Après, il n'y a eu qu'un kill, quoi. Il y a eu un kill. Ok, MV directos. Est-ce que je me plongerai pas dans storage? Ça, c'est vraiment le traquenard, quoi. Le bon petit traquenard, ici, là. C'est quoi le problème de la soirée? Se plaindre. Se plaindre qu'on n'est pas imposteur. C'est devenu un des incontournables de mes lundis soirs. Et voilà quoi. Après, tu sais, il y a un peu... pas d'alerte sub. Il n'y a pas d'alerte sub, t'es en train de me dire? Merde, je suis trompé. T'es en train de me dire qu'il n'y a pas d'alerte sub sur le stream là. Si jamais quelqu'un se dit, par exemple, tu vois, putain, c'est cool ce qu'il fait. J'aimerais bien lâcher un petit Twitch Prime que j'avais oublié de mettre. Je vais le mettre pour le soutenir. Là, t'es en train de me dire que ça serait pas affiché? Moi, je pense que si. Moi, je pense que si. Ok, Ultia que je croise. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est cadeau. Ok, les lights, bon, au moins, on va avoir fini. Au moins, on va avoir fini ça, là. Au moins, c'est fait. Gling, 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 gling. Et Booms, Booms qui lâche son sub. Bienvenue, merci pour le prime. Putain, mais c'est fou, je suis une vermine. Théopolos, merci pour le... Non, vermine, c'est très Jerem Star. C'est très associé... De toute façon, on va rien voir. Cam, je trouve, tu vois, mais il faut vraiment camper. T'as les loyers en bas, pense qu'il se barre. Outre Noir, Isoka, Théopolos, merci beaucoup. Il y a Bloodess aussi qui a offert un sub, c'est très gentil. Merci à tous pour le soutien. Ça, c'est beau, quoi. C'est si gentiment demandé. Boum. Ok, Jean. Zary qui était au top. Oh, Ultia, comme quoi. Il y a eu qu'un kill. Okay. Hein. Putain, j'ai l'impression que... Ok. C'est un peu Moriarty, merci pour le prime. Et Kyotsuke pour les 12 mois. Énorme pastille sur Xari, je vais m'expliquer. Ok, ça m'a offert par Elro. En gros, moi j'ai fait mon petit round tranquille, j'ai beaucoup avancé sur les quêtes, j'avoue. Donc j'ai le temps de me balader. Comme il le dit Antoine, c'est vrai que c'est assez lent, donc on est tranquille. Donc j'ai regardé un petit peu les cams, ce qui se passait. Et à un moment, rappelle-toi, PA, tu es sorti de labo. Et quand tu es sorti de labo, tu as croisé Ultia qui rentrait dans labo. Oui, tout à fait d'ailleurs, ouais. Voilà. Et donc ça date un petit peu, hein, une minute hein, je dirais à peu près. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai capté ça, je me suis dit, ok, bon, j'ai checké. Finalement, t'étais vers les lights avec moi, on a remis ensemble. Ouais. Je me suis dit, je vais partir sur la droite, checker ce qui se passe au niveau de labo. Et en fait, moi, je rentre dans labo et Xari, rappelle-toi, il y a une dizaine de secondes, même pas, on s'est croisé à l'entrée de labo. Tu sortais, exact. Moi, je rentrais. Voilà. Mm-hmm. Du coup, là, moi, je dis, bah tiens, il y avait Ultia quand même qui était rentré dans labo il n'y a pas si longtemps, je continue. Et en plein milieu du chemin, il y a Ultia qui est morte. Du coup, Xari, tu l'as forcément vue. Alors il y a un problème. C'est bim, alors c'est pour le prime. Je l'ai absolument pas vu, tout simplement parce que moi quand j'ai fait les trucs labo, il y avait pas la light, et que après non, et ça après fait un moment qu'elles sont revenues là les lights quand même. Oui oui, mais je j'explique juste, et ensuite quand je t'ai croisé, mais je te promets que je ne l'ai pas vu. Après tu peux me croire ou pas me croire, mais bah, je ne l'ai pas croisé. Le politicien. C'est impossible que tu ne l'aies pas vu. Et bah, gros, ça veut dire que c'est toi. Ça veut dire que c'est toi, mec. Bah ouais, mais j'aurais pas fait une explication aussi précise en prenant parti des gens parce que. Non, mais frère, tu peux faire tout ce que tu veux, gros. T'es champion du jeu depuis la CP. Parce que. Parce que du coup, le cadavre était au niveau des toiles, des toilettes dans l'entrée labo, quoi. La porte qui sépare les toilettes et les labos. Et le labo. Okay, voilà. Donc c'est vraiment inloupable. Xari n'est pas rentré par. Mais attends, les toilettes. Attends, les gens qui lâchent leur prime, du coup. Les toilettes, c'est. À côté d'Avon, il y a deux mois, Charlie, ouais, Pixel. Non, mais frère, là, tu te rends pas compte que toilette, j'y suis pas passé depuis genre. Sauf que le corps n'est pas là. Le corps est à l'entrée entre labo et toilette, quoi. À la porte. En fait, tu peux pas l'avoir loupé. T'es passé devant, tu peux pas l'avoir loupé, c'est littéralement impossible. Et mais si, en fait, parce que j'étais déjà dans le laboratoire, je pense. Ah ouais, depuis genre 1 minute 30, t'es dans la labo. Mais oui, gros, j'ai fait. Impossible. Bah, PA, tu l'as vu dans le laboratoire avant? Moi, je l'ai vu.
Mais en fait, je sais pas, parce que je suis peut-être passé sur le cadavre sans mort. Moi, je dis, c'est... Bon, alors, je suis sûr, du coup, que Ponce ment, qu'il essaye de m'accuser. Je mens pas. Après, si t'as une défense, vas-y, mais je ne mens pas. Mais j'ai aucune défense, je l'ai pas vu, en fait. Non, mais peut-être qu'il y a un quiproquo, après. Vu que je l'ai pas vu, je suis sûr à 95% de toi. Combien, là, beau, là? Là, j'étais tout seul. Moi, j'ai taillé un bail. Moi, je viens d'en sortir. Mais toi, il a dit qu'il avait pas, qu'il avait marché. Moi, j'étais en train de voir une planète. Moi, je mets une énorme pastille sur Ponce, du coup. Et t'as pas vu juste en dessous de toi ? Moi, j'ai une pastille sur MV, mais je vous explique après pourquoi. Je t'ai pas vu, Étoile. Sur MV ? Non, mais ouais. Étoile, je t'ai pas vu mettre de planète. Hein. C'est vrai qu'il a Cisso pas et Gros Lardon, merci beaucoup. Le 5 est déjà niveau 4, c'est magnifique. Des gens qui resubent, des 4 mois de resub. Jiboul qui met son prime. Au calme guy, pardon. 3 mois, 12 mois pour Mickey. Merci beaucoup. On va faire comme, j'avoue que là, je sais pas trop, parce que l'explication de Ponce me semble plutôt convaincante. Ça m'étonnerait qu'il ait fait toute cette déterre pour rien, pour cibler qu'une seule personne. Et en même temps, je pense qu'il a vu des trucs au cam et il se dit... Ok, Gomar. Le truc, c'est que Xerri est remonté du haut, j'ai pas compris pourquoi. Aki, merci pour le prime. Si t'es pas un poster ce soir, c'est sûrement dû à l'R21. Des bisous, merci RSQuix. Merci beaucoup. Bon, il me reste que du spécimen, moi. Et ensuite, on sera bon. Trawiti, cocoche. Merci. Nous allons faire un train complet. Oh, eh bé. Ah, ok, d'accord. Donc, Ponce, pas bon. Pour le coup. Ah, mais je ne mentais pas, par contre, sur tout ce que j'ai dit. Je te crois, je crois. Je peux safe Gomar et Mister MV sur ce qui... Merci à Watt pour le sub. Ouais, mais attends, mais Domingo, on s'est vu il y a genre 3 minutes. Enfin, 3 secondes, pardon. Un peu plus, ouais. Mais en gros, c'était admin. Donc, par contre, j'aurais dû m'en douter parce que j'ai eu quelques bugs déjà les parties d'avant. Je suis pas dans le conseil, je vous le dis. Ah, oh, merde. Ah. Ah. Oh, non. Mais je suis sur l'écran, donc peut-être que je vais rejouer derrière. Sait-on jamais. La classique quand MV imposteur. La technique du buzz. Non, bah là, j'ai eu des micro-bugs tout du long, donc ça m'étonne pas. Par contre, là, il y a un souci du coup. Ouais. Faut pas oublier qu'on est 7. Ouais. Et il y a un souci, c'est que j'ai. Elro, merci pour les 12 subs. Après... Ah non, PPA, t'as record. J'ai dit à admin, mais vas-y, dis. Ah bah, okay. Ok. Parce que j'ai une petite. Merci pour les 12 subs, c'est très gentil. 250 au total, ça rend. J'ai vu Jean Castex et MV qui allait réparer les lights. Ensuite, on s'est séparés à ce moment-là avec Jean Castex qui est parti à droite des caméras. Je suis redescendu en bas avec MV. J'ai suivi un peu MV de manière insistante. Tout à fait. Il y avait Gomar. Et au moment où le corps a été report, j'avais Gomar et MV qui étaient vraiment pas loin. Et c'est pour ça que je pense que je l'ai safe. Moi, je sais pas où il est. Moi, je suis weapons là. Il est admin. Du coup, je pense qu'il y a moyen que ce soit. Enfin, je vois pas comment ça peut être MV ou Gomar sur ce kill. Donc, ça peut être un petit Jean Castex au début du round. Je t'explique ce que j'ai fait. Au début, on est parti. J'ai fini de. Je suis monté directement faire l'électricité, mais il y avait déjà MV et toi, je crois, à ce moment-là. Oui. Ensuite, je suis parti à droite pour finir de remplir l'essence tout en haut à gauche, là. Et ensuite, je vous ai suivi parce que je me suis dit, si ça se trouve, il va y avoir MV qui va tuer Étoile ou Étoile qui va tuer MV. Du coup, je suis revenu à l'intérieur et je suis descendu. Et au moment du report, je ne sais plus si j'arrivais ou si j'étais directement dans O2. Elle est hyper bizarre ta version parce que moi, j'ai vu descendre que Gomar. C'est absolument la vérité pour le coup. Tu l'as vu, Ayou. MV quoi, mais non, mais moi, je ne vous ai pas vu en fait. Je oula, suivais le chemin que vous avez pris. Ok. Et juste pardon, où, moi, j'ai juste vu Antoine quand on a fait les lights. C'est tout. Parce que Trivia, du coup, je te soupçonnais tour 1. Donc, c'était soit toi, soit MV, vu que Jirette avec moi. Et du coup. Attends, pourquoi moi j'étais soupçonné tour 1 parce que je t'ai vu partir labo, j'étais sur ma quête. C'est soit tu mens et tu l'as tué, soit j'étais sur ma quête et je t'ai pas vu repartir. Alors, tour 1, c'est vrai que je suis ressortie de labo. Donc, après, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Et là, j'étais en train d'arriver dans le bâtiment. Lights à gauche. J'étais dehors littéralement à gauche de storage. Voilà. Ok. Bon. N'oubliez pas qu'on est 7, mais je suis désolé pour Xerri, mais du coup ça enlève en vrai une grosse piste, donc c'est ok. Après, ça peut être pense du coup. Ouais, ce serait pas vraiment ok du coup. C'est-à-dire que t'as plus ta piste. J'aurais continué à l'accuser s'il était pas mort, tu vois. Ok. Alors, enfin, je pense. Ah ouais, non, c'est un bon argumentaire. Pas simple, hein. Pas simple. Je pense que je vais aller faire mes deux quêtes. Tranquillement un spécimen, comme un bon dogo, ni plus ni moins, en direct. Non mais je buzz pour m'enlever le bug parce que j'ai bien respawn à Weapons.
Ah, ok, voilà, ok. Rebnezo, merci pour le prime. Anaïs aussi. Ce que je disais pour, bah, du coup, pour le quatrième. Parler, je disais par rapport à Xaris, parce que ça enlève une piste. Et nous reste 40%. Je pense que j'aurais vraiment forcé contre lui parce que ce qui s'est passé, un c'est exceptionnel de ma vision. Et du coup, c'est ok, ça enlève un truc. Et... Oui, mais en vrai, c'est ce que je disais, pense, c'est que ça pouvait être ni toi ni lui, sachant que le Xaris, moi, je l'ai vu rentrer dans le sas, il aurait pu rester genre un spécimen, ou même juste. Bah non, passer, c'est pas possible, mais il y a un trou dans les toilettes, tu vois. Oui, mais le corps était là. C'est ce que je dis. C'est... Oui, du coup, les gens qui sont passés peut-être par là, entre guillemets, ont marché dessus, quoi. De bah, c'est ça. C'est-à-dire que tous les gens qui sortent du sas mais pour sortir de la boue, ils l'ont vu. C'est pour moi, ça que je suis étonné. Le seul truc qui m'a intrigué, c'est Ponce n'a pas vu Rayou et Rayou n'a pas vu Ponce. Alors, ouais. Ils sont bah, moi, j'ai tous vu. Les deux là-bas. Moi, j'étais vraiment capitulé. Pixix, merci pour le prime. Merci j'ai beaucoup. J'ai vraiment rien vu d'autre. Vraiment, absolument pas vu Rayou, j'avoue. Mais en même temps, j'ai vu le cadavre, j'ai fait oh mon dieu, Xaris, et j'ai reporté. Sublime. Merci beaucoup. Merci à moi. Ça peut gravater quelque chose de l'extérieur. Quelqu'un d'extérieur qui a chelassé, ou ça peut être Ponce qui a self-report. Mais est-ce que Ponce aurait self-report un kill comme ça, même s'il est totalement. Ah, puis pour sortir un truc comme ça derrière, ouais. Honnêtement, ouais. Franchement. Les moi, j'ai trouvé que c'était très travaillé, ouais, quand même. Ouais, c'est. Enfin, vraiment. Ça aurait été d'une solidité de self-report. Sauf qu'il a go que sur un et tout, ouais, je pense. Peut-être tu parles pas beaucoup, je sens un peu un 160 BPM là. Oh, fou là. Alors là, mon frère. En vrai, je pense pas. Je pense pas. Par contre, toi, tu parles beaucoup, Étoile. Ouais, parce que j'inspecte. Je peux te dire que là, 160 BPM... Ah, on aimerait ! Ah, on aimerait donner ! Mais voilà, on est comme un chien en cage, ici ! Divisé par deux. Ouais, c'est... Non, je bosse le souffle, hein. Il va y avoir une reprise du sport qui doit être nécessaire. Faut que je fasse du sport au Mexique, hein. Ça va, les conneries, au bout d'un moment, là. Oh, faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça, au moins, j'aurai fini. Oh là là, il y a MV. MV qui va me tuer. Et si MV me tue pas, c'est hyper dangereux parce que c'est la merde. Il m'a pas tué. Il m'a pas tué. Ok. Electrical, labo. Sécu. Bah, je pense que MV est safe du coup. Wagon lit, merci beaucoup. Ok, Trivia. Je pense qu'ici c'est à peu près safe aussi parce qu'il y a une personne au cam. Sauf si je me fais cueillir par l'imposteur. Ouais, non. Vas-y, MV. Mais là, du coup, il y a peut-être beaucoup de gens qu'on voit pas. Genre Ponce qui est mort. Little Big Whale. Je pense que Ponce est mort. Seul Big Whale qui va là, non, Ponce est avec Gomar. Après, ça peut grave être les games de MV ou. Tu sais, MV en fou. Oh, MV. Alors là, Gomar et moi, on a vu quelque c'est chose. MV, c'est MV. MV qui a kill et qui est parti en courant. Bah, moi, je viens de voir concrètement MV sortir d'une vente, quoi. Ouais. Ah, carrément. Ouais. Ouais. C'est, ça, c'était culotté. Alors, déjà, non. Je ne suis pas sorti d'une vente. Ah, et Jean Cassex, c'est mort. Coup, ouais, au cam, ça il était, non c'est... Bah, de toute façon, on est 6 quoi. Donc, J'avoue que j'ai appuyé sur le bouton report, mais le seul truc que j'ai vu, j'ai même pas vu le corps. Hein. J'ai vu MV. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que pareil, j'ai pas vu de corps, j'ai vu juste MV sortir d'une vente. Quoi. Bon, okay. Alors, je suis désolée, j'étais full sûr que c'était Antoine et Trivia. Bon, du coup, Antoine est mort, donc bon, bah, MV et Trivia. Bah, et en plus, que... Trivia était juste à côté. Oui, Trivia, alors tu pour ma pas, défense. Ça t'intéresse pas. Pour ta défense. Bah si, ça m'intéresse et je vois pas ce que j'ai à rajouter à part le fait que vous l'ayez vu. Enfin, je vais pas vous dire waouh cool, yes. Woo. Imagine c'est quoi ma réponse. J'étais j'allais dire, je revenais du couloir d'en dessous, sauf que quelqu'un m'a vu à la cam, donc j'imagine que c'était Jean Castex. Et ah, je t'ai vu rentrer dans les lights. Ouais. Ok. Ah oui, okay. Ouais. Donc oui, effectivement, ça peut être moi tout ce que je peux dire c'est que mytho, ouais. Mais ce que je peux dire par contre c'est que je sortais pas de la vente, hein, j'étais sur la tâche. Comment on aurait pu genre non mais moi j'ai pas vu s'étonner exactement de la même chose. Si on s'étonne d'un truc, genre on s'étonne d'un kill, on s'étonne pas d'une vente. Non mais moi j'ai pas vu MV juste avant et vous parlez de vente en fait, c'est depuis tout à l'heure. Oui, mais justement, c'est parce que je reporte, mais en fait, le corps est je sais même pas où est le corps en fait. On sait pas parce que il est forcément caméra, j'imagine. Ah, il est calme, je vous ai laissé vous exciter si pour justement voir report, si c'était louche quoi. Oui mais je veux dire moi j'ai oh, je sais pas comment expliquer.
Et en fait, Gomar et moi, en gros, pour expliquer tout simplement ce qui s'est passé, c'est Gomar et moi, ça parce fait genre une minute qu'on est ensemble. On était sur la droite dans le laboratoire. Ouais, on a même moi, je terminais. Domingo, on sortait exactement. Du, on sortait du labo, on s'est croisés et on allait dans cette direction-là. Et c'est juste après qu'on a vu MV sortir du truc. Et on a pu report. Ça veut dire qu'il y a eu qu'un seul mort. C'est qui? C'est Jean Castex. C'est pas nous qui l'avons tué. Si vous pensez qu'on est tueur, vu qu'on était à droite, on t'a croisé, PA. Du coup. C'est sûr que c'est pas Gomar et moi. On a passé Et toi, tu m'avais innocenté autour de avant, autour encore d'avant. Je suis quasi sûr que c'est pas toi. Et du coup, ben, la déduction est très vite. Si en effet le corps il est là, c'est hyper choquant. Mais ce qui me semble bizarre, c'est que vous me parliez de vent, alors que moi, j'ai pas vent du tout. Quoi. C'est impossible que vous me parliez de vent. On t'a vu sortir. Mais c'est juste, c'est impossible. J'ai pas vent. Moi je mets MV. Après, c'est peut-être un bug malheureux quoi. Mais je n'étais pas. Et Trivia, deuxième impro. FN, on est complètement. Si t'étais à gauche, Trivia, t'étais light. Ouais. Bah oui, justement, je remontais le couloir, mais je vous ai croisé. Oui, mais t'as dit t'étais pas à gauche. Juste à côté d'MV quand même. Tu remontais pas vraiment le couloir en vrai. C'est pas MV qui a paniqué et il pensait faire un, je sais pas, avec Trivia dans la vente. À voir, je sais pas. Je pense que c'est un truc comme ça avec Trivia qui. Bon, moi j'ai fini mes quêtes en plus. Ouais, bonsoir, en fait, c'est énorme. Oh, bon, bah, c'est pas très fair-play. Non, c'est une question. Oh, bah. Non, c'est une question. Non, vous faites pas ça. Merde. Si, t'inquiète, vas-y. Non, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, du coup, on vote Trivia, non? Je sais pas. Non, mais en fait, j'ai buzzé par peur, on sait jamais si on se fait double kill ou un truc comme ça. Après, je pense que c'était fini sinon. Ah, c'est sûr que c'était MV, je pense vraiment. Enfin, c'est. MV me le dira après la game, mais moi, j'étais sûr à 1000%. Tu sais, quand je vous ai dit pastille sur MV, j'ai cru qu'il avait vent parce qu'en fait, il n'y avait pas eu de kill. Mais en gros, il était parti gauche. J'arrive par admin et je le vois partie droite. Et je me disais, oh, peut-être que je suis fou et vu que j'ai pas joué cette semaine. Ouais. Après, tu sais, je sais qu'il y a des bugs. Je sais que ça arrive de voir des vents qui ne sont pas des vents. Tu vois, genre, c'est déjà arrivé. Mais là, le truc de MV, c'était très bizarre parce que même s'il a pas vent, il y avait le cadavre à portée de report. Ok. Donc, non, mais bon, de toute façon, après, j'étais peut-être un peu avant toi, donc peut-être que je l'ai vu avant, mais je l'ai vu sortir. Non, j'ai vu. En fait. Mais moi aussi, je l'ai. Moi, j'ai voté. Moi je trouve ça peut être plus. Moi j'ai voté, je pense, soit c'était un truc de panique. Ouais. Ah oui, c'est vrai que oui, on pouvait. En fait, les tasses sont finies, donc autant se faire plaisir. Oui, il reste une tâche en vrai, donc même si c'est pas Lil Whale. Autant se faire plaisir, quoi. Bah ouais, autant voter. Ça fait du bien, je trouve, ce vote. Hein. Je pense que c'est gagné. Hein. Ah, il décrase ce vote. GG en vrai. Désolé, tout à fait. GG. Je n'ai même pas fait dernier bet. Et c'est un enfant pour la dernière game. C'est ton stack en fait. Mais c'est horrible. Mais t'as vu, c'est terrible. Non mais là, en plus, MV fait stack, le kill caméra. Je me dis, je kill le prochain, je vois 4 bonnes carrés. Mais il y a les deux qui arrivent. J'ai vraiment pas vu le tien. Mais du coup, le premier kill, du coup, c'était qui? Attendez, je vais quitter. C'était MV, mais c'était pas moi. C'est MV qui m'a tué. Ouais, mais le truc, c'est que vous êtes partis à deux. Ben moi, j'ai même pas MV, la self-report, du coup. Pour le coup, non, en fait, ouais, il a self-report. Je vais vous expliquer. Oui, j'ai self-report. Vas-y, MV. En fait, il y avait que Jiraya et moi. Non, mais en fait, on aurait pu gagner. Déjà, j'ai pas tué Antoine direct après les lives, j'aurais dû le faire. Sauf que, en fait, on vient de m'apprendre que je voyais pas Domingo dans la game. Et j'ai vu quelqu'un sur la table d'admin au début du round partir spécimen. Et quand je suis arrivé à spécimen, il y avait personne. Alors si j'avais pu tuer Domingo à spécimen et le laisser tout seul. Ah, mais c'est pour ça que t'étais mon bête de pote. Parce que je me suis dit, oh bah non, il me tue pas, qu'il y a le sismique. Genre. En fait, et quand j'ai balancé les sismiques, je voulais balancer les sismiques après t'avoir tué, mais il y avait personne. Donc, trop relou le bug. Ah, mais c'est l'enfer en fait ce bug. Oui, c'est injouable. C'est encore un. Je suis désolé, mais c'est un peu encore un bug d'imposteur. Par contre, j'ai eu des mini bugs toute la soirée en Chromate aussi. Ok. Sérieux. Mais c'est ouf. La semaine dernière, c'était insane Bagheera. J'avais jamais vu ça. Bagheera, c'est trop bug. Petite question, MP. Est-ce que t'as vent du coup? Tu parles. Alors, ouais, vous m'avez tous vu vent, j'ai jamais vent. C'est pour ça que je t'ai pas accusé. Je pense que les bugs, ça. En vrai, il a vent, il a tué, et après, il est remonté dessus, mais il a pas vent. Enfin, j'ai vent, mais en fait, quand il y avait des sons de père, quoi. Oui, et là sur le kill d'Antoine, j'avais vent, mais pas quand vous êtes arrivé. Quand vous êtes arrivé, je crois qu'il y a du lag. C'était vraiment le pire timing de tous les temps. Ponce imposteur. Est-ce que je peux juste une minute? On se fait la last? Oh merde! Oh non, merde! Y'a R, t'inquiète. Oh, désolé, toi, excuse-moi. Ah, y'a R, mais c'est last. Y'a R sur la last. Ciao, belle, les belles là, ciao. 71% de gens raisonnables. Et c'est pas pour autant que les 29% qui ont envie d'y croire, qui ont envie de vibrer, vous devez arrêter de vibrer. Vous auriez peut-être pas dû mettre all-in quand même, ceux qui ont parié tout.
On aurait peut-être dû mettre un peu moins. Genre pour regarder, j'ai Toulouse. Ah ouais, non mais Boya. Vous avez pas assez de stream d'ennui, vous. Vous n'avez pas. Les rediffs, ils savent. Les rediffs, ils skip. De temps en temps, sur les rediffs, bah, les rediffs, à un moment, j'ai dit à Max, c'était dur parce qu'on a tellement été peu imposteurs qu'en fait, les games imposteurs, de temps en temps, Max, il les sortait des rediffs pour les mettre sur la chaîne principale. Et du coup, la rediff, il n'y avait absolument rien, quoi. C'était... Si tu choisis de jouer le troisième imposteur, ça remet tout en cause. Ouais, je hint. Je serais quand même chaud de pas avoir une game full naze. Vous êtes heureux de se faire chier encore une game. Alors, est-ce que vraiment on se fait chier? Il y a quand même des belles mécaniques. Mais en fait, je pense vraiment que... Je me souviens d'une soirée où j'avais été peut-être 8-9 fois imposteur. Mais le moment où j'étais en full panique et j'avais aucune maîtrise de rien, quoi. Mais c'est vrai que les dernières soirées, on a joué 4 heures en moyenne. Et j'ai pris 2 fois imposteur chaque fois. C'était du 2 fois par soirée, on a joué à peu près 4h, 4h30, tu vois. Donc déjà, tu l'es. Mais c'est vrai que ça fait peut-être 5 semaines que vraiment, ouais, on est régulier sur du 4h, 4h30 et une fois, quoi, imposteur. Donc c'est vrai que... plus 170k de min gold ce soir, c'est le jackpot. Honnêtement, on vous met bien, c'est des bêtes sûres. Hein. Quand va y avoir FM et qu'il va falloir parier et qu'on va prendre un but à la 92e et que vous allez lâcher des bisous à out, ça va être autre chose. Hein. Par contre, les paniers étaient toujours ouverts quand la game avait commencé. Aïe, aïe, aïe. Mais de beaucoup. Après, mes modos font mieux, j'avoue que... Imaginez-vous, parfois, tu peux te faire chier sur un stream. Mais parfois... Tu peux carrément te faire chier sur un stream et devoir le modérer. Et devoir... C'est qui ça? C'est Étoile. C'est Étoile qui est en full étoile, non? Ah non, c'est eux. C'est Little Big Whale. C'était marrant, ça. C'était rigolo. J'ai bien aimé ce petit moment. Pas loin de le mettre comme mon moment préféré. J'irai peut-être pas jusque-là. Mais vraiment à deux doigts. Le jeu de regard. Gauche-droite. Psst. Tu as joué un peu à FM21. J'avais lancé une partie, je vous avais dit, avec... Putain, avec qui déjà? Avec la Slovénie, je crois. Pour tester un peu, vite fait. Mais honnêtement, j'ai pas le temps de jouer. FM, c'est tellement un jeu. Soit t'es à 8 millions de pourcents, soit t'y es pas. Non mais je vous ferai voter pour les deux choix, les deux idées que j'ai là. J'en ai une qui s'affirme vraiment là comme idée. C'est Freebie. Quoi? Oh, c'est récent ça, non? Parce que Comment ça, j'ai trollé? J'ai vraiment hésité à le report en plus le corps parce que j'ai vu personne, gros, vraiment c'est incroyable. Attends, pourquoi tu parles? J'ai plus dit que je trollais. Non, parce que juste avant le report, moi j'ai dit, ils sont partis se coucher. J'ai dit OMG, on se fait troll par Zary qui fout rien ou quoi? Mais voilà. Est-ce qu'il est dans admin ou pas? Ah oui, il est totalement dans admin, ouais. En fait, bon, je vous explique, moi on est sur une partie surréaliste, hein. Je suis allé checker les vitals deux fois pour. Et j'ai bien vu que personne n'était voir, je me dis bon. J'ai bah, check c'est... aussi, ouais, les vitals. Ouais, c'est ouais, pareil. En vrai, moi je suis en train de fast toutes mes quêtes. Hein. Ah oui, moi c'est pas là, j'ai fini. Hein. J'en ai fait aucune. Une quête. Et bah tu es Jean Castex, et puis comme ça tu le fais en fantôme. C'est ni Antoine, ni Little Big Whale, ni Ponce. Après, Little Big Whale a fait un truc un peu bizarre. C'est-à-dire qu'elle a fait ma strat, c'est-à-dire que les lights se sont éteintes, elle est partie. Genre bizarre. Elle a rallumé les lights, je l'ai vu le faire. Non, c'est moi qui l'ai fait. Non, je suis rentré, c'est exact. Qu'est-ce qui s'est passé désolé, j'étais. Non, pourquoi j'ai innocent de bah, T'es mort. J'ai croisé personne. Hein. Ah, mais t'étais pas là. Ah putain, il était AFK. Ah, mais du coup il devait être admin, non, c'est ça? Je suis désolé. Non, y'a rien. Il devait être bibliothèque, un truc comme ça, non? Il est admin, il a dit. Ah, pardon, ok. Derrière la bibliothèque. En fait, j'étais admin. Je check admin et admin, je vois deux personnes et je me dis, bah non, je suis tout seul, donc c'est bizarre. Moi, j'étais. Je passe à gauche, il est derrière la bibliothèque. Au début, j'étais avec Domingo, on était dans admin et pareil, j'ai fait la strat des bouquins. Je me suis dit, je vais me cacher. En plus, il y a quelqu'un qui sortait de spécimen. Je me suis dit, s'il y a un kill. Mais on te voit, tu t'es trop collé au mur d'ailleurs. Petit tips, pardon. Ah, je crois. Okay, parce que d'accord. Du coup, en fait, j'ai vu le E du blaze et je me suis dit, oh tiens, il y a quelqu'un qui fait ça. bah, du coup, je savais pas. Mais du coup, moi, j'ai croisé beaucoup MV, moi. Et ouais, j'ai fait Ryu tout le début de game rejoint. Avec Axari.
Et ensuite, tu l'as revu. T'as fait quoi, toi, après PA? Je l'ai revu après, mais je pense pas que ce soit lui. Il aurait pu barrer à gauche. J'ai fait Astéroïde, je crois, ou Ultiam a peut-être vu, je crois. Je pense qu'Ultiam a vu sur Astéroïde et compagnie. J'ai fini mes quêtes. Oui. La personne que j'ai laissée avec Rayou, c'est Domingo, je sais pas. Non, c'est l'inverse. Ouais, je t'ai laissé avec, Rayou, par contre. Pour le coup, moi, j'étais labo et j'allais prendre le sas. Et Ponce était dans le sas aussi. Ouais. Donc, t'aurais pu faire le kill et passer par spécimen. Après, PA, c'est quand que tu vois, t'es passé par spécimen? C'était au début du round ou fin de round, là? Début du round. Parce que moi, la dernière fois que je passais par Vitals, tout le monde était ayant. Ah, donc c'est très récent. C'est assez récent, non? T'es où, Ponce? Voilà, je suis dans le sas. Attends, moi, j'ai fait quasiment. Tu reviens de spécimen en bas. Tout le monde est dans le sas. Non, je reviens pas de spécimen. Je reviens de labo. Je suis pas encore. Ah non, je suis pas encore à la spécimen. Non, tu reviens pas. Mais non, t'es dans le sas. Alors, attends. Spécimen, il y a. J'étais spécimen et j'étais. Peut-être que je me trompe. Il y avait personne spécimen. Il y avait personne. Je ne reviens pas de labo. Vraiment. Je suis pas encore allé là-bas. D'accord, ok. Bah écoutez, Jean, je l'ai pas trop vu. J'aime faire le moment où il va se dire quoi, mais il l'a fait si vite, un truc comme ça. Ah, il est trop bizarre. Mais attends, quoi? Tu vas me dire que... Non. J'ai envie de jouer à GeoGuessr là pour tout vous dire. J'ai très envie de jouer à GeoGuessr. Je devrais faire bloc. Oh, en même temps, ce serait bien d'être imposteur un jour. Quoi. Ouais, mais bon, on va se retrouver. On connaît. La DER sur Among Us, c'est vraiment... Ça nous prend tout. Light, il y a Gigi, attends. Ok, Gigi a pas vent. Bon, je me suis trompé pour Ponce alors. Oui, hein, on s'est trouvé. Tiens. Xari! Tiens. Alors. Attends, mais Xari, on vient pas de le croiser? Si, on vient de le croiser à l'instant. Et il a croisé PA d'ailleurs. Ouais. Exact, j'ai croisé dans l'ordre PA, Ponce, puis Gomard. Et dans le sas, tout à gauche, il y avait une personne morte. Si j'en crois le, bah, la, tout simplement l'ordre, je pense que c'est Gomard qui l'a tué, du coup, hors de vision de Ponce. Attends, où ça? Oula. Sas. Margot et Ponce, vous étiez encore dans le sas? Non. Moi je les ai croisés vers là où il y a les quêtes dans Spécimen là. Oui, du coup on a fait nos quêtes à Spécimen avec Gomard parce que effectivement j'y n'étais pas allé comme je l'avais dit et donc je devais faire mes quêtes. Excuse-moi, je me suis trompé. Gomard aussi du coup qui y allait et du coup elle devait faire ses quêtes. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui a vu le sas s'ouvrir, qui a tué, qui est reparti après. Hein, de vers honnêtement, je pense pas que ce soit Gomard. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on se retrouve tout seul. Et en plus, quand il y a eu les lights éteintes, on est bien resté dans le cercle. Donc il n'y a pas un moment où genre, j'aurais pu partir, tuer, ou même lui partir et tuer et revenir. Je sais pas ce que vous avez fait tous les deux. Je dis juste que dans l'ordre. Est-ce que tu peux devenir zen pour vraiment faire baisser ton BPM? Je sais plus dans quel sens, où ça. Tout à fait. Domingo, en gros, on était ensemble au début. Moi j'ai fini Weapons, il y avait Antoine, il me restait un truc à tuer, je l'ai tué, je suis remonté tout là-haut à Labo je crois, et j'ai fait mes deux dernières quêtes, et j'ai juste farmé les quêtes. Non, il parle des stéroïdes. Ouais, pardon. Les fameux stéroïdes. Moi j'étais Kams très très longtemps, j'ai juste vu Jiraya près de Mine, et tous les autres, j'imagine que c'était Spécimen du coup. Ouais, tu m'as vu rentrer dans Storage là normalement. Je sais plus, ouais, j'étais en train de faire. Ah ouais, c'est la dinguerie. Je suis désolé, il reste 50 secondes, il faut que je prenne la parole s'il vous plaît. Instant pour vous dire que je suis désolé, Trivia, mais t'as 20 d'Astra à gauche de spécimen, du sas de spécimen, et du coup, c'est abominable ce qui se passe. Parce que en gros, moi j'étais admin, t'as pris le sas en bas pour les spécimen room, je me suis dit, dans un bar à glace. Et en fait, en haut à droite, attends, je finis rapidement. Labo, il y avait deux personnes, et je me dis, bon, je vais voir s'il n'y a pas un mort. En passant, je vais au Vitals, je vois que le blanc est mort. Je me dis peut-être qu'elle est morte là-bas, j'en sais rien. Et je monte, et en fait, je te vois sur le côté où il y a les fils électriques, la vente qui est à gauche, où il y a les cabines de douche, de je sais pas, de chiottes, et ta vente là. T'as vent là, genre devant moi. Je suis désolé. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Pourquoi j'aurais vent là devant toi? Non, mais c'est un bug. En tout cas, ce que vient de dire Jiraya, m'innocente totalement, puisque moi j'aurais pas pu tuer. Tous les jours, je suis. Je viens de rentrer dans Storage. C'est quoi, je te crois, Jiraya? C'est impossible. Mais pourquoi je serais sorti? Moi je skip, il reste plus de quêtes, ça finit ses quêtes. Skipper si vous voulez, mais je. Skipper, mais moi je la mets quand même sur. Ça veut dire qu'elle aurait tué Étoile au tout début. C'est ma parole, mais je t'ai vu vent, je suis désolé, très bien, c'est abominable, mais. C'est abominable. Ah, mais c'est horrible.
Après, c'est pas un mamie, vu gros, MV20 et en fait, il avait pas MV20, je sais pas. Oui, mais il était coupable quand même. Exactement. Exactement. Tout seul. Seul au monde. Et même si tu grognes. Pardon. Oui, c'est que ça ne va pas là. C'est que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas. C'est que oui, clairement. Mais quand je rejoins Among Us, il y aura des nouvelles maps et tout. En janvier. Et ça, ça va être magnifique ça. OMV, MV, le Xav. Xavou, sur une situation O2 plutôt classique, ma foi. Est-ce que je me foutrais pas bibliothèque ? Oh, Xav en a pas et je me fous bibliothèque. Xav, reste. Viens. Xav. Oh, Xav, putain, il m'écoute plus. Il m'écoute plus, hein. Oh, j'ai fait 69, du coup. Mais tu vois, c'est quand je suis descendu, hein. Bon, je vais pas vous imposer plus de champs. Mais là, les imposteurs... je me rends pas compte si on est ici. Oh. C'est qui ? C'est MV ? MV qui vent là-haut. Ah, c'est MV et Whale. Little Big Whale qui attend plus de gens. Quoi ? Mais ils jouent, les gens ? Mais elle a trop bien joué. What the fuck? Huh. What the fuck? Jiraya? Attends. Quoi? Moi, j'ai besoin que Jiraya me réexplique ce qui s'est passé le round d'avant. En fait, je pense que c'est une dinguerie et c'est absolument pas ce qui s'est passé. Ouais, je pense que c'est une... Si, c'est ce qui s'est passé, mais je pense que c'est vraiment une dinguerie. Alors, mais parce pas que... du tout. Tu m'as vu je te laisse parler dans 100%, lab, mais... c'est ça? Ouais, en fait je viens de vérifier là, fort, et toi, je pense que c'est un bug, c'est pas possible, parce que j'ai pas la vision pour pouvoir faire ça de là où je t'ai vu faire ça. Et du coup, c'est pour ça que je comprends mais non, pas. Mais je pense que ça m'a TP surtout à travers toute la map, en fait. Non. C'est la boss. Vraiment, attends, je vais prendre une petite part de cake. Là, j'avoue, j'ai full troll, j'aurais pas dû report, j'aurais dû rallumer d'abord les lights pour voir s'il y avait des gens à côté, mais en gros, il est mort électrique. Tu t'as vu qui t'as vu. Oui, on est ensemble. 100%, je vouch tous les jours pour Ponce et Gomard, c'est pas eux, tous les jours, on a passé. Par contre, sur le tour d'avant, Ponce, du coup, c'était soit Xari, soit Domingo. Mais non, ça peut pas être moi. Ça peut pas être moi. Jiraya m'a innocenté. C'est vrai que pour le coup, Xari, ça aurait été bizarre que tu reportes alors que tu nous as vu tous les deux avant. Mais non, mais c'est surtout impossible. Parce que, écoute, Jiraya, il était. Mais du coup, c'était bien une veine. C'était possiblement bien trivial. Parce que Jiraya, il a dit, j'ai vu le kill. Attendez, mais du coup, il reste juste deux personnes. Il y a MV qui parle pas du tout depuis le début. Moi, j'ai fait une énorme partie du début du round à la table d'anime avec Xari. C'est vrai, ça c'est vrai. Pourquoi pas. Mais après, le truc, c'est que moi. Attends, où est le corps exactement, Jiraya, s'il te plaît ? Là, Electrical, dans Electrical. Parce que là. Mais c'est Domingo que t'as vu ? C'est Domingo, dans Electrical. Mais parce que Jean Castex, je l'ai vu littéralement il y a 15 secondes en vie. Il sortait du SAS. Il sortait du. Eh bien, du coup, c'est Little Big Way. C'est un de vous trois. En gros, c'est pas Goma réponse à un. On a été tous les trois. Et toi, Jiraya, qui te safe entre guillemets ? Je ne sais pas. Ah, mais gros, je t'ai demandé à Goma et Goma. Goma et moi, on save Jiraya. Enfin, moi, je save Jiraya. Alors, du coup, c'est Well. Tu penses t'es resté jusqu'à la fin avec Jiraya ou pas ? Parce que moi, quand je l'ai quitté, j'étais voir les Vitals et tout, mais je suis pas. Bah, moi, je suis parti Electrical. Je sais pas s'il était encore avec moi derrière moi. J'étais plus là. Moi, je suis resté tout le round à admin. Donc, j'ai faim. Courage. Jiraya, mais... je ne sais pas quelle est cette sorcellerie, à moins que tu aies pris une bête et que tu m'aies vu à l'autre bout de la map. Non, j'ai pas mangé la soirée pour ça, moi je mange pour juste... Moi, je suis parti d'admis. Mais par contre, je te jure, Trivia, c'est horrible. J'ai l'impression de bug exploit, ouais. Mais j'irai revoir le clip. Je te jure que je te vois vent et je suis en mode, mais j'ai pas la vision normalement. Moi, du coup, selon ce qu'a dit Jiraya tout à l'heure, je pense qu'il faut voter Little Big Whale, malheureusement. Je pense aussi. Je pense aussi. Parce qu'en fait, même pas pour le bug, parce qu'il est innocent, il m'innocente moi. Et Ponce et Gomard s'innocentent eux deux, et moi je les innocente. J'innocente Ponce, c'est presque sûr. En tout cas, sur les deux kills, sur Jean Castex et Domingo, c'est. Et n'oubliez pas qu'il reste plus de quête. Enfin, moi j'ai fini depuis 2 rounds. J'ai fini depuis 10 rounds. Mais ça va être dur. J'ai fini, moi j'ai fini. Go faire la last au pire, et puis go quoi. Mais je crois que Jiraya, il a soit cassé le jeu, soit il a juste. C'était lourd le cake, je vais le démolir après. Le premier goût est un peu spé. Parce qu'elle l'a fait, tu sais, il est pas très sec, il est un peu humide. Je sais pas comment dire. Mais c'est pas mal aussi, parce que parfois les cakes secs là. T'en peux plus quoi. Ça m'a mis bien là.
Ah, je suis content. Il y a du gruyère, ouais, il y a du gruyère. Ouais, mais c'est mieux humide que sec, ouais, ouais, clairement. C'est la courgette qui donne cet effet. Humide, ouais. Humide n'est pas le bon terme. Humide, dis-moi en plus. Non, mais je peux aller en chercher un petit peu. C'est meilleur quand t'as pas besoin de trois. Ouais, c'est. J'aimais bien, moi, avant, le cake aux fruits. C'est un peu spé, c'est un peu anglais comme délire, mais c'est pas mal. Aucun rapport, hein, parce que c'est cake, mais. Juste la couleur, quand je vous ai montré, c'est un peu le même stylé. Bien sûr, attends. En fait, j'ai suivi Gomard depuis le début, alors que. Faut qu'il kill la MV. MV, en fait, il panique pas jusqu'au bout. Du coup, soit il est en Giga Masterclass, soit il finit avec 3-4 mecs en vie et. Bon, c'est une évidence. Xari est mort et. Exactement. Et on était tous les trois. Bon. Effectivement, là. MV avait été peu bavard. Attends, il se passe quoi là? Bah, c'est-à-dire que nous, on a passé littéralement le boss, le round ensemble, Gomard, Gigi et moi. Et il y avait que toi, ça gagne reste en pack. Non, mais en fait, parfois, c'est. Moi, je le fais souvent. C'est parce que ça commence à faire beaucoup, monsieur MV. En fait, c'est trop, bizarre de se dire bon, moi, bah, je vais pas avec la personne avec qui je suis safe quand il reste qu'une personne. La merde, là. Et là, je retournais justement. J'arrivais à Vitals, mais ok. Bizarre. Mais c'est pas facile, un paquet. C'est délétère. Vous étiez vraiment tous les trois ensemble tout du long, moi, de toute façon. Ouais, vraiment, pour le coup. Pour pas tout du long, mais jusqu'à Team Vitals et voir mais que le... Qu'est-ce que je peux faire, alors? Je ne pouvais rien faire, malheureusement. Ah, tu pouvais juste me tuer, moi, quoi, mais... Lucky. En fait... Désolé, MV. En fait, MV, j'ai pas compris pourquoi tu m'as pas tué dès le début du round, du coup. Impossible, quoi. Genre, bref. Ok, j'ai. On ça joue trop pas, c'est quoi le. Je pensais que tu faisais mais juste. Là, j'ai l'impression, en fait. On la joue pas mal, mais pas en fait, tout le monde est ensemble. C'est tout le monde s'innocente parce que. Je sais pas, moi je vois. Je vois jamais personne, je suis toujours solo, peut-être pour ça que je crève. Je vais pas te mentir, je suis tout le temps tout seul. C'est compliqué quoi. Attendez, s'il vous plaît. Après le juste. Trivia, je te mets dans mon ghost trip, je te mets le clip. Genre, ta chance est à 0%. On voit juste ton nom. Je pense que c'est un. C'est même pas un bug, je pense que c'est. Non, c'est juste ton nom en fait. Le nom qui pop. Faut que tu vois le clip MV. Ah, je suis d'accord, c'est assez dommage pour le stack, mais en même temps, c'est triste à dire, mais c'est la partie du jeu. C'est-à-dire que si on se dit, ouais, on se stack pas, bah du coup, oui, mais non, c'est pas le jeu quoi. Pas se dire ça non plus, mais ouais, voilà. Mais moi, par exemple, ouais, moi, il y a aucune game que je fais coller à quelqu'un, genre aucune. Genre, tu me verras jamais plusieurs rounds coller à quelqu'un parce que je sais pas. Il est là, fun. Ouais, je comprends, mais après, c'est vrai que c'est pas trop. Enfin. Après, on peut pas l'interdire en vrai. Genre, après, tu cherches vraiment à win, pense quoi. Non, mais il y a un moment, c'est-à-dire si je sais que Gigi il est safe, je vais pas être en mode bon, allez, moi au cas où, je vais te laisser comme en ça, peut-être je vais mourir. C'est trouver le juste milieu, c'est hyper compliqué. J'ai du mal à attendre vraiment que l'autre fasse toutes ses quêtes, c'est genre attendre, etc. Ça, c'est long, tu vois. Mais là, c'était juste sur ce round-là. En vrai. Je pense que quand on arrive à la fin et qu'on est un peu moins, du coup, eh bah, c'est forcé qu'il y ait des trucs genre « Ah bah on était là et toi t'étais tout seul donc forcément c'est toi ». Du coup peut-être genre à la fin se déstacker un petit peu. Après là le truc c'est que ça kill très très peu en early aussi. Hein. Genre là les games sont lentes, tu sais, ça dure... MV il aurait pu me fumer premier round. Il... Mais oui j'avais essayé un petit peu de... Le rythme est lent au début. De RP, de mettre Zari dans la poche. Mais en ouais, vrai il avait bien joué parce que j'étais en mode c'est pas MV. Puis à la fin j'étais en mode si c'est MV il me tue maintenant et de toute façon... Je voyais les autres sur admin, ils étaient ensemble, j'étais en mode il est baisé s'il me tue quoi. Mais il est obligé de me tuer moi, il y avait que moi. La vraie der. Ah moi j'ai quitté. Par contre j'ai une question, on joue plus du tout sur la map en Y. On va rejoindre pour la der, la vraie der. Moi j'avoue je suis un peu relou, mais je trouve 4 heures ça te tue le crâne. Et là en ce moment, genre toutes les sessions je fais une ou deux imposteurs, du coup c'est vraiment 4 heures de crewmate. Ouais j'avoue que la prochaine fois il faudrait vraiment essayer de faire marcher le truc parce que ça change de ouf quand t'es en crewmate. Ouais en fait ça rend tes soirées crewmate plus cool je pense de pouvoir participer un peu mais clairement mais après si vous voulez vraiment tous rejouer moi je peux reco hein, je veux pas casser les couilles si ça tombe on veut pas te forcer ah oui à part si vraiment t'es au bout du rouleau allez vas-y j'arrive à part si tu le considères que comme des connaissances après honnêtement si comme des collègues tu dirais comme ça tu après PA il a coach Joguesser il y a 3 games ouais après le battle royale moi je vais en jouer un petit peu mais pas longtemps du tout après moi je vais arrêter. Moi, c'est quasiment 1h du matin. Moi, je reste pour PA jusqu'à la fin. Allez, on lance rapidement. Let's go, s'il vous plaît. Let's go. Tu fais trap. Parce qu'on entend Domingo dire j'ai été que 3-4 fois crewmate. C'est vrai. Allez, c'est bon, je vous fais enculer.
Allez, c'est bon, on est reparti, putain. Casse les couilles, je vais me chercher du cake, moi. Je vais me chercher du cake, là, c'est bon. Je vais me chercher bête. Mais non, pas bête, c'est bon, là, y a plus personne. Même mes modos se sont cassés. Tout le monde, normal. Va y avoir zéro kill sur toutes les premières games. Et à la fin, ça va s'emballer. Bah, vas-y, j'ai loupé ça, là. Je loupe ça. Et j'ai loupé, putain, ça me rend fou. Ça me rend fou, ça me grille. 4 heures de mon gosse, ça me grille le cerveau, faut arrêter. Mais du coup, c'est trop dur d'être le mec qui se casse, tu vois. Bah, allez vous, tous vous faire enculer. Moi, j'en ai marre, du coup. Oh. Après, on peut faire des pièges de dingue. Genre jouer... Genre check là. Dommage. Dommage, dommage. Dommage, peut-être, peut-être Vitals, ça peut être cool, un petit Vitals. Oh, report. Mais c'est où? Quoi? Je vois pas le kill. Ah, c'est là. Ah, oh, super, putain, mais mission de merde. Quelle angoisse. Oh non. Oh là là, mais c'est impossible. Possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est de votre faute, ça. Si étoile vit la pire soirée. On l'a fait venir et il se fait tuer en boucle, quoi. Ouais, ouais. Il n'y aura pas de Battle Royale, étoile. C'est fini, ok. Tu peux être couché. Non, du coup, je l'ai croisé à antenne de communication à côté de la vente à l'extérieur, près du lac de magma, là. Je sais pas si vous voyez. Ouais, ouais. Si. Ah, ouais, je l'ai vu là. Petit kilo de quoi. Ouais, exactement. T'as croisé qui? Personne. Pour le coup, je suis. Non, mais t'as dit. Ah oui, non, le corps est là-bas. Ouais, le corps, pardon. Ah, alors, ok. C'est intéressant. Par contre, ça, attends, ouais. il a été fait tôt parce que moi, je suis allé checker Vitals et il était déjà mort. Alors. Moi, j'ai croisé MV et oui, ensuite, non, moi, j'étais bien. Admin et Vitals. Donc, je pense qu'il en a été tué au début. Jiraya, j'allais te demander, mais sans grande conviction, si t'avais vent. Mais en gros. Ah non, j'étais avec toi. Moi, j'ai fait. Ah oui. Au début, j'ai fait quoi? J'ai fait la clé, une connerie, et je suis repassé. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je suis repassé en dessous du rocher. J'ai fait ma température près de la lave. Il y avait pas de cadavre. Je crois Jiraya. Je rentre et je vais faire les câbles à gauche d'office. Et quand je redescends, je vois Jiraya ressortir d'admin. Mais en tout cas, qu'il event ou non, la dernière personne que j'ai croisée dans ce coin-là à lave, c'était Jiraya, et j'ai pas vu de cadavre que toi, quand je suis passé. Hein. Non. Mais j'ai pas check vitals. Mais moi j'ai check Vitals et il, en effet il était mort. Mais par contre je ne l'ai pas vu étoile. Mais s'il est mort là, j'aurais forcément eu un bouton report si j'étais. Bah oui, donc. Enfin quand j'étais passé. Ouais, parce que moi j'ai eu le report loin quoi. Genre avant le caillou, entre. Enfin tu sais, il y a un caillou, j'ai même pas vu le corps, je pensais que c'était peut-être à l'intérieur de. Enfin genre vers Vitals et non c'était plus haut. Sinon moi j'ai pas grand chose. Moi je peux innocenter Trivia sur ce tour là. Exact. Sauf que ça s'est fait vraiment très tôt, mais on est resté spécimen dans ouais, le. Ouais, moi je les ai vus les deux. Je pense pas qu'il aurait eu le temps. J'étais à l'autre bout de la map quoi. Non, vraiment. Attends, c'était le caillou au-dessus de Vitals ? Je sais pas, excuse-moi. Ouais, sur la droite. C'est genre là où il y a la vente quoi. Vraiment à côté de la vente. Ah oui, okay. Vent, mais. C'est vrai, il y a peut-être un monde où c'était moi, mais. Ça peut être un fast vent, d'accord. Mais sinon, moi, ça aurait pu, ouais. J'ai que Jiraya et PA, quoi. Ouais, exactement pareil. Allez, go skip, les gars. Ouais. Let's go. Let's go, les gars. Voilà. T'inquiète, c'est bien, rapproche. Ouais, l'enfer pour étoile, quand même. Ouais. Horrible. Ça régale. Étoile, is the new Poki. Bah, physiquement, il y a déjà un truc, je trouve. Ah, tu trouves aussi. Est-ce que je me fais un pote? Ouais, je me fais Gomard comme pote. Oh là là, Gomard est déter. Oui, Gomard, il y a hésitation. Gomard, il s'est dit astéroïde, machin. Allez, on va faire que ça plutôt. Ok, il y a Ultia aussi. Gomard, ça veut pas être mon pote? Ah, Gomard, elle est là. Je pense que Gomard, elle va être pote avec moi. Elle le dit pas encore, mais elle veut bien être pote avec moi. J'arrive. Je vais aux mêmes tâches. Hop. Quoi, Ultia est déjà là-haut? Bon, après, Ultia parfois se déterre sur les quêtes. Qu'est-ce qu'elle fait, Gomard? Oh! Ah, c'est terrible! Bah, oui, non, mais tu vas croire que c'est moi, c'est pas grave. Oh non, c'est terrible, qu'est-ce qui s'est passé? Putain, quelle vie.
Ok, donc début du round, je suis allé à Spécimen tout seul en bas parce que c'est ce que j'aime faire, y aller tout seul et espérer avoir une chance de vivre. J'ai fait deux tâches, il y a eu les machins, les réacteurs, j'ai fait mon câble dans le sas de décompression, j'ai fait mes câbles sur la vente à gauche là. Et quand je suis remonté, en fait, au télescope, il y avait le corps d'Antoine du coup. Et okay. j'ai vu Trivia arriver à ce moment-là, j'ai essayé de spam report et j'ai cliqué à côté, mais c'est pas moi, je te jure. En fait, j'ai sur mon écran, c'est très marrant parce que je vois avec des petits allers-retours. Alors, je sais pas si c'était des allers-retours de panique ou parce que tu savais pas cliquer dessus, mais non. En effet, c'était assez. Moi, je trouve que MV décrit trop bien ses trajectoires pour que c'est rigolo. Soit suspect. Par contre, il y a un truc, c'est que là, il y a genre 15 secondes, je dirais, on était coincé dans Coms avec PA. Jiraya, je crois, moi non. Et. Non, j'ai non c'était Ponce Gomard, toi et moi. Ah oui, c'était Ponce Gomard, toi et moi. Donc, nous quatre, on n'était pas du tout sur les lieux du crime. Xavier, Jiraya, ah. Ponce Domingo non, même pas Jiraya, il était. Jiraya, il s'est en pas En gros, moi, j'étais côté gauche. Et les communications. C'est impossible que ce soit Jiraya, parce que Jiraya. Et les marrons, Gigi. T'as dit quoi comme nom, du coup? Pardon. Bah, Ponce, PA, Gomard. Moi et Jiraya qui venait de sortir de com, il a pas pu se téléporter. Moi, ce que j'ai fait après quand on s'est libéré, c'est que j'ai été au truc de droite là, au pylône de droite pour mettre la main. Et il y avait Trivia et Ultia. Trivia, c'est sûr que tu revenais de la gauche du coup, mais Ultia, si tu revenais de la droite, potentiellement, c'est toi qui l'as tué. Non, je viens du bas, moi, je viens pas de la droite. Non, on l'a vu à Weapons après, elle était à Weapons. Je sais pas, mais en tout cas. Voilà. C'est forcément. Ah, tout le monde est innocente là, c'est bien. Ah, moi j'étais pas coincé avec vous, mais moi je suis allé au pilar à gauche. C'est moi qui ai fait le pilar de gauche. Non, moi j'y suis pas allé. C'est peu probable. Moi je dirais que c'est peu probable que ce soit Trivia parce qu'elle serait bizarre si elle serait pas revenue sur les lieux du crime. C'est peu probable que ce soit une vente parce que moi j'ai fait les câbles sur la vente, donc ça, ou bien c'était il y a très longtemps. Moi je pense que c'est la dernière personne qui a quitté le laboratoire quand il y a eu les sabotages, quoi. Qui ça? Bah, je sais pas, c'était Ultia, quand il y a eu le sabotage, il y a forcément quelqu'un qui a traîné dans le laboratoire et qui a tué, quoi. Ouais, mais Ultia, après, c'est ta parole de venir d'en bas en vrai. Bah, Domingo vient de te dire qu'on m'a vu à Weapons. Ah oui, c'est vrai, à Weapons. En fait, je me suis demandé, parce que en moi, fait, du coup, j'ai une mission maintenant, je veux faire que de suivre Gomard. Voilà, cette game, je veux juste te traquer. Voilà ce qui va se passer à peu près pour prévenir. Et Ultia, elle a fait les weapons après moi et elle était avant nous, donc en haut à droite. On skip, mais juste à la sprint, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est quand même dans le trio MV Ultia, mais je sais pas. Ouais, mais attention, parce que tu innocentes des gens sur un kill, mais. Oui, sur un kill. Non, juste sur ce kill. On était tous paqués, c'est sûr que là, c'est pas. Juste sur ce kill. Je te trouve. A tout de suite, Gomard. Attention, Xavi. Ah non, mais bon, qui sait, mais on est potes depuis la CP. Le psychopathe. Attends, attention. En fait, je me demande ce que c'est que d'être Xavi. Xavi, c'est grave son genre de délire de faire ça. De se dire, vas-y, je suis quelqu'un de A à Z. Et je me demande grave ce que ça fait d'être comme ça. C'est ma game. C'est ma game de Xav. Allez, hop. On a fait, elle va aller chercher notre B après. Ok, elle va aller chercher le petit truc. Ok, ça c'est super, ça j'ai fait aussi. Si ça te dérange pas, peut-être ça. Oh, je vais la perdre. Je vais perdre Gomard. Putain, comme ça, je fais juste une quête de... Oh non, c'est bon. Elle est où? Elle est là. Non, Gomard, c'est le sang, je pense. Hein. Oh, elle est forte, elle met des passements de jambes. Elle m'a mis un gauche-droite. Ah, bah c'était pas Ultia, du coup. Ah, ok. Ok. Il y a Xari qui est mort aussi. Oh, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. D'accord. Oula. Alors, je sais pas du tout si c'est un double kill, mais je viens d'arriver devant la porte de Light et du coup, j'ai le bouton report. Et il y a Jiraya qui... Oh, c'est talonné, je crois t'avoir vu passer. Moi j'arrive par en bas, j'ai fait le pilar là qui m'a activé la node. Je pense que c'est peut-être un double kill, mais je sais pas du coup. C'est con parce que si c'était un double kill, on serait bien fixé. Franchement, c'est possible. Alors, c'est possible parce que Xavi, je l'ai croisé il y a pas si longtemps. Oui, mais quel côté du coup? Tu l'as croisé où? Parce que si je l'ai croisé à Com. Je l'ai croisé à Com et après lui il est remonté sur, je crois, sur la. Via la gauche ou la droite, j'en sais rien, mais il est remonté vers l'écricole tandis que moi je traçais vers la droite. Attends, tu dis que tu l'as croisé dans Coms, tu l'as croisé? Ouais, je l'ai croisé dans Coms au tout début, tout début du round, je l'ai croisé dans Coms, on est resté un peu à côté. Parce que moi. Ah oui, d'accord. Parce que. Il t'a quitté quand dans les Coms? Je le crois. Peut-être. C'est dur à dire, mais je sais pas, 30 secondes avant le report là?
à peu près. Je veux dire, vous êtes parti en même temps ou c'est parti oui, on est parti à peu près en même temps. Il est parti un poil avant moi, mais. Je suis à 69. Parce que moi, en fait, au début du round, je suis allé à Weapons. Vous m'avez vu, je pense, partir l'ouvrir la porte. Là, on était pas mal à être parti oui. à gauche. Ouais. Exact, je t'ai vu sortir, moi. Ouais, j'ai terminé mes astéroïdes et quand je suis monté. Je t'ai vu partir de Coms et la porte, elle s'est immédiatement fermée sur oui, toi. Je vous aime. Et quand je l'ai ouvert, du coup, je suis rentré pour voir si jamais. Et il y avait personne et j'ai fait mes trucs, mais j'ai pas vu Xari. C'est ça qui est. Non, il était déjà parti. Ouais, c'est ça. Il est déjà parti. Il est parti un peu avant moi. Et effectivement, quand moi je suis parti de Coms, moi à la fin du round, je suis en bas à gauche. Hein, je suis en bas à gauche. Je suis pas dans l'histoire. Mais attends, du coup, est-ce que PA t'as suivi Gobard tout le long? Vous êtes restés ensemble ou pas? Alors j'ai traqué. Je peux te dire qu'il y a un très beau jeu de jambes. Très beau jeu. Si j'ai fait deux missions en plus. Mais il y a aucun monde où c'est un de vous. Enfin, ouais, c'est ça. Coach l'un pour l'autre. Ponce, j'aurais tendance à le safe entre guillemets parce qu'il était à Com. Il a fait comme Xav de dire bah, justement qu'il avait sa mission, donc ils ont dû aller la chercher pour la valider. Donc, et j'ai tracé à droite, là je suis à spécimen. Enfin, vraiment, j'ai un peu de logique là-dedans. Tu sais qui a report le corps d'avant déjà? Le corps c'est d'avant moi. Tout à l'heure c'était moi. C'était moi. En fait, MV il a raconté sa vie. Donc, Little Big Whale et MV quoi. Du coup, au pylône de droite, il y avait. Bah, moi, pour le coup, j'étais sûre que c'était. Enfin, j'étais sûre. J'avais des doutes sur Ultia parce que c'était la seule qui revenait, mais c'est vrai qu'il y avait Trivia. Oui, je sais que du coup, ça nous laisse que nous deux. Bah, oui, je sais bien. Moi, pour le coup, je venais vraiment d'en bas à gauche et je suis rentrée dans le labo et je faut suis prendre une décision. Il faut aller vite, mais le truc, c'est tombé. Le col. Ponce. Je suis tombée sur MV qui dansait sur le corps. Gigi. Gomard, Lil Wayne, MV. J'ai voté MV. Non, mais non. Ça va. Ça va. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. Il faut prendre avant les décisions. Mais ouais, là, ça se fait n'importe quoi. Ah non, vraiment là. Ça fait trois fois ce soir, terrible. Ah ben là, c'est vrai que je dois avouer, je pensais pas que ça allait finir comme ça, quoi. Là, c'est vrai que je suis un peu surpris, quoi. Oh, c'est bien. En fait, là, c'est loose. Ils vont tuer deux personnes, c'est fini. Hein. Bah, non, c'est bon. C'est oui, pas parce que qui c'est qui a activé c'est MV. Bah, ouais. C'est moi. Alors... on a remis les clés. Bah, MV, ça le save pas mal de faire ça, quand même. Bah, ouais. Ouais. Sauf s'il est assez intelligent pour se dire qu'il avait pas le temps avec Light et que comme le truc était déjà enclenché. J'étais le seul au buzzer. Mais oui, là il restait genre 3 secondes avant les deux CD et boum, c'était terminé. Oui, non mais. Comment tu sais? C'est une évaluation par rapport à ce qui vient de se passer entre 5 et 0 secondes. Attends, la dinguerie! Non, vous êtes sérieux ou quoi? Ouais, moi ça me choque pas ce qu'il a dit pour le coup. Oui, enfin, excusez-moi, j'ai une centaine d'heures sur mon gars, j'ai déjà joué, j'avoue. Alors, j'avoue. Alors, je t'avoue que j'ai 150 heures sur le jeu. Je pas de Tascabio, s'il vous plaît. Combien le CD en début. Mais vous foutez de moi quand même. Non, mais peu importe. Il s'est passé 22 secondes. Je voulais dire qu'on était proche d'avoir un kill derrière. Moi, c'était plus le truc par rapport à Coms tout à l'heure que je trouvais chelou, mais assez pour un full incriminé quoi. Le truc, c'est que Domingo avait l'air de dire que. Non, après, moi je l'ai mis safe parce qu'on était dans les 4. Je sais même pas si c'était un double kill. Attends, Jirayat, c'était toi qui étais avec moi. Oui, on est d'accord qu'il n'y avait que le corps d'Ultia pour. Dans ce qu'on voyait. Mais en fait, on peut pas savoir. Vous êtes tous partis au light là ou pas? On n'avait pas les lights. Non, on était 3 au light. Ouais, mais le corps était sur la porte, quand même. Oui, bah, juste le corps sur la porte. Il n'y en avait pas un double. Je pense pas que c'était un double kill là. À mon avis, le kill a dû être fait avant. Mais le truc, c'est que si Ponce a été le dernier. Enfin. Je peux pas l'accuser parce que Domingo a l'air de dire qu'il est safe aussi. Ah, moi je l'ai pas croisé, mais c'est le dernier à l'avoir vu. Moi j'ai pas dit que j'étais le dernier. Moi j'ai pas dit que c'était le dernier à avoir vu Xari. Je l'ai vu dans le round. Je l'ai vu dans le round. Voilà. Et là MV, en vrai il a aucun intérêt à buzzer si tu vois. Oui c'est ça. J'allais dire moi je trouvais qu'il était bizarre par rapport. Non c'est pas. Je pense pas que ce soit MV. Mais MV franchement il parle. Ah mais tout le monde est gentil là. Bah c'est le souci. Bah moi je suis désolée j'ai. C'est pour ce à moins que j'ai rien, alors j'ai pas envie brain. De faire ça, mais j'ai des gros doutes sur Trivia encore. Je suis désolée. Oui, non, mais comme d'habitude, par rapport au pylône d'avant, parce que pour moi c'était soit Ultia, soit Trivia en fait. Trivia, je pensais pas, je suis pas toujours archi convaincu, mais c'est vrai que si moi je suis innocent et Ultia elle est morte, sur le précédent, je trouve le corps et il reste. Moi, si Gomard elle vote Trivia, je vote Trivia. En vrai, ça va, on est 6 et tout à l'heure sur un truc où il y avait deux personnes suspectes, il y a une personne qui est morte, il reste plus qu'une personne.
je pense okay. vraiment c'est vrai, c'est que Mingo se back pas mal hein. Ouais, je pense que du coup que c'est après Ponce et Jiraya. Voilà. Mais MV, non, c'est n'importe cool. quoi. Mais tu viens de dire le que dernier cas. MV, t'en penses quoi, toi, de Ponce? Non, parce que MV, il est moi, trop. Il me paraît trop honnête. Et j'ai déjà joué plein de fois avec lui. Et le fait qu'il est buzzé, c'est impossible que ce soit. Non, non, lui, moi, je vois Little Big Whale, c'est la plus suspecte de toutes. Et on est 6 sur non, c'est pas moi. C'est pas moi. Je sais pas. Je sais pas, j'ai paniqué. C'est peut-être Gigi et Ponce. Si c'est Gigi et Ponce, ça va bien jouer. Non, c'est pas moi, c'est Ponce. Mais c'est. Mais attendez, mais j'étais c'était sûr, c'est derrière. Ah, j'ai voté non, j'ai voté Trivia moi, what the fuck. Non, c'est vraiment putain. Mais j'ai... t'as pas voté pour moi. Non, mais vous avez raison, vous avez bah raison. Si, j'ai voté sur Trivia. Mais hein? Ah, c'était Ponce. Non, c'est pas Ponce, moi je fais ma quête. Ah, c'est Gigi. Gigi va me fumer. C'est Gigi et Ponce. Ah non, c'est Gigi et... Bah ah, bien joué. Désolé. Non, mais franchement, j'ai... Moi, j'ai ah, mais il y a les votes qu'on bug, non? Non, parce que Gigi, il a fait genre, il votait, mais il a pas voté contre... J'ai voté Ponce, moi. Ouais, en fait, moi, j'ai voté à la dernière seconde, et de toute façon, ça aurait fait l'égalité. Ça aurait fait drôle. Bien joué, bien joué. Eh, solide, bien joué. Ah ouais, solide, ouf. Gigi, t'as bien joué le... Ouais, même Trivia, les deux. Putain, Trivia, vous savez que c'était toi. Vas-y, je peux pas toujours l'accuser. C'est vrai c'est que vraiment un loco parce que comme les games d'avant, bah tout le monde était stack et du coup par élimination. Et c'était bien toi qui avais tué Antoine. Ouais. Aïe. En vrai, sur le kill avec Antoine, c'était en gros il y avait trois suspects. J'aurais dû voter Trivia, mais en gros vu qu'elle revenait, il restait plus Trivia dans les suspects du premier kill. Vu qu'elle revenait sur le corps, tu vois, et que moi j'ai galéré. Ouais, bah j'ai fait exprès en fait. Je me. Mais tu vois, en fait par élimination, vu qu'il restait plus que elle en suspect de ce kill-là, c'était forcément elle, tu vois ce que je veux dire. En fait, j'aurais dû penser au fait que personne n'aurait pu vent. Ouais, j'aurais dû voter Trivia. C'est mais c'est joué, pas grave, c'est juste bien joué, ils ont bien joué. En vrai, le Trivia, je croyais que t'allais me suivre. Ah, j'ai été bien, j'ai été une fois sur trois imposteur. On a gagné. En fait, je pense qu'on paye notre truc d'early game. Au tout début, j'étais tout le temps imposteur, mais je faisais rien. Non, tu sais, juste après ce conseil, parce qu'on était 6, je me suis dit, bah si on double kill, parce que les mecs étaient déjà propres. Mais je pense que j'ai été imposteur trop de fois au début. J'avais pas le CD, en vrai, vu qu'MV est resté, t'as trop. Enfin, on a bien fait, parce que j'ai vu qu'on était 1 sur 4. Oui, pardon. Mais moi, j'avoue que quand vous avez tous. 1 sur 4, il y a rien qui m'a accusé, j'ai pas trop compris. Et du coup, je savais pas quoi dire pour ma défense. Non, moi, j'ai juste. C'est correct. Le truc que t'as dit. Après, j'avoue que sur les dernières fois, j'ai juste joué sur Insane. J'ai juste dit que la dernière fois que j'ai croisé Xaris. Je m'accroche à la vie. Dommage. Jiraya, tu m'as fumé tellement vite. Ah, toi, c'est dommage. Toi, juste pour. Ouais, géocasseur, je t'ai fumé ta mère. Allez, toi, tu pars en histoire géo là tout de suite. Là, tu pars en histoire géo. Ah, moi, je pars en histoire géo un petit peu là. Sérieux, j'ai. Non, en vrai, tu t'en es bien sorti, je trouve. En fait, la dernière game, j'étais parfait. Il était parfait, donc il en vrai. Toutes les games, j'étais. You have been bamboozled. Et je me suis dit, la dernière, il faut que je la win parce que sinon je vais mal le vivre. Mais j'ai vraiment fait n'importe quoi hein, sur les games d'avant, c'était horrible. J'avais tellement pas envie de te suspecter Trivia. Désolée pour ceux qui étaient imposteurs avec moi. J'étais imposteur deux fois ce soir, c'était pas... mais au moins j'ai été imposteur. Mec, t'as de la chance. Moi, c'était les kata mes games imposteurs là, une kata. Pas une seule game, c'est une game imposteur. En ah ouais, heures. Moi j'en ai eu trois là. En 5 heures. Terrible. Ah, c'était pas moi là, sur les trois dernières sessions, je l'ai été 4 fois, je crois. Ah, toujours plaisir. Ah ouais, mais qui a été imposteur toute la soirée là? Tout le monde avait personne. MV, Tia, Gomar et Trivia. Non, non, j'ai été imposteur au début et deux games de suite avec Trivia là. Fin, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, MV après ton bug. J'ai eu que trois trucs quoi. Oui, le buzz. Franchement, quand pas j'ai mal. Vu qu'on était de nouveau ensemble, je me suis dit, oh non, c'est une blague.